C'est bon, monsieur, veut sa dose d'attention. Voilà, regarde, le stream est là. Bonjour, je suis le chat en manque d'attention. Bonsoir à tous. Ça va mieux? Voilà, merci monsieur. Ouf. J'ai l'impression d'avoir un beau jeu alors que je joue en basse qualité. La netteté d'image. T'as les pupilles rouges aussi, évidemment. J'avoue que je me sens pas très originale. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient fait un écro qui avait exactement la même tête que moi. Je suis en mode bon. À la fois, ça veut dire qu'on a tous du goût, mais à la fois, je suis pas très originale, quoi. Donc je suis en mode bon, je sais pas trop quoi en penser. C'est où la netteté d'image? Papi, papi, poupi, papi, poupi, pou. Je suis aveugle. Améliorer la netteté d'image. L'intensité du filtre netteté. On va peut-être monter un tout petit peu, ouais. Ça peut peut-être être pas mal. La mienne est HS, elle a trop chaud pour miauler. Bah le pire c'est que Gimli aussi, il est un peu HS des fois. Et c'est hilarant, genre je sais pas si vos chats c'est pareil. Mais Gimli, quand il fait chaud, quand il se réveille d'une sieste, il a la tête grave dans le cul. Je trouve ça super drôle. Et vraiment tu le regardes, il a pas les yeux en face des trous et il te regarde en mode... Et ça me fait mourir de rire. Voilà, c'est tout. C'est tout, mais ça me fait beaucoup rire. Ok, on va choper des petites quêtes secondaires. J'ai dit qu'on ferait la quête principale, mais on va quand même pas se priver de faire des quêtes secondaires. Hein, genre. Pourquoi tu sens mon aisselle? Dis-le si je sens pas bon. Je me suis lavé ce matin, Gimli, hein, par contre, donc. Donc pas à moi. Hein. Pour un jeu 2023, t'as 4 visages et 2 personnalisations max, c'est pas fou. Ouais, mais c'est ce que. On en parlait tout à l'heure, Ries, et moi je trouve ça bien qu'il y ait pas trop de personnalisation. Comme ça, chaque classe a quand même son identité, tu vois. Et il y en a que t'aimes, il y en a que t'aimes pas. Mais ouais, je sais pas. Parce que quand la personnalisation est trop libre, les gens, après, ils font des trucs qui ressemblent plus du tout à l'identité de base, tu vois. Et c'est un peu con. Enfin, je sais pas. Faut un juste milieu. Un aperçu de la folie. Oula. Qu'est-ce qu'on peut raconter là? Oui, vous. Ne faites pas votre timide. Ah, mais il est... Ah oui. J'ai besoin de votre aide. Cette maudite fanatique de Théa m'a volé mes yeux. Voler mes yeux. Les portes autour du cou et les horreurs que j'ai vues, je vous en prie. Plus jamais. Quoi? Tout ce sang. Comment t'as vu des horreurs si elle a volé tes yeux? Vous devez. Ça sent le mensonge. Je peux encore voir à travers eux. Hein? Théa et ses adeptes sont devenus puissants à Nostrava. De grâce, rendez-moi mes yeux. Et on les... dedans? Bastion découvert, oh non. Théa? C'est dur ça. Elle n'était personne voici quelques années. Elle a disparu un moment, avant de revenir avec des types qui déblatéraient sur la fin des temps. C'est une menteuse, mais... Elle est bizarre la façon d'écrire rien. Elle m'a arraché les yeux après tout. C'est pour ça que j'aime bien tes os, tu fais ce que tu veux. Alors, j'aime beaucoup, autant j'aime beaucoup tes os, autant je trouve que les persos de tes os sont pas très beaux. Honnêtement, la personnalisation de perso de Tezo, je trouve que c'est clairement pas un bon exemple de bonne personnalisation. Genre, les persos, peu importe ce que tu fais, ils sont pas très beaux. Et... Non, ouais, je trouve pas que ce soit un très bon exemple. Pour le coup. J'aime vraiment, j'aime pas trop les persos de Tezo. Je trouve qu'ils pourraient vraiment mieux faire. Théa les a volés. Elle les a accrochés à un collier qu'elle porte constamment. Merci beaucoup Beyoncé. Oh, merci pour le follow, bienvenue. Tes os, pas tes os. Oui. Je peux voir à travers ses yeux, tout comme vous me regardez en ce moment. Mais cette vision me tourmente. Tant de douleurs. Enfin, les petites orbes de glitch de mes squelettes là. Je veux récupérer mes yeux. Oui, on a compris, monsieur. Ok. On récupérera tes yeux si on passe à côté. Du coup, ouais, c'est ce bastion là qu'on a découvert, Nostrava. Oh, niveau 29, ouais, non, hein. Pas tout de suite, hein. Au pire, parce que là, ouais, les quêtes secondaires que j'ai, elles sont pas trop de mon niveau. À part celle-là, entrer dans la cave inquiétante. Ah. Mais est-ce qu'on a envie de faire ça, du coup? Est-ce qu'on veut rentrer dans la cave inquiétante? Bof, hein. On va le faire quand même. Ça y est, j'ai eu mes drops, let's go. Ah, j'avoue, je vais bientôt avoir les miens, normalement, aussi. Normalement. Les bastions sont toujours de level au-dessus. Ah, c'est obligé? Oh shit. Je croyais que c'était moi qui avais trop à faire un truc trop dur.
Du coup, ça c'est quelle quête? Entrer dans la cave inquiétante. Petre, le père du garçon qu'Octavia a sauvé. Ah oui, c'est la quête en rapport avec Octavia. M'a discrètement glissé une lettre de sœur Octavia. Le démon des égouts a fait d'elle sa nouvelle victime. Ah oui, ça c'est terrible! Octavia, c'est la meuf avec qui on faisait les exorcismes, là, et la dernière personne qu'on a exorcisée, bah visiblement, le démon se serait peut-être frayé un chemin dans Octavia. Si Octavia elle meurt, je serais deg. Pourquoi je peux pas rentrer? Hein? Ah bah... Coucou Xatium, comment ça va? Putain, j'étais en train de spammer la porte. Bah ouais, laissez-moi rentrer, non? Je comprenais pas. Les bastions, il y aura toujours des niveaux. Putain! Je savais pas. J'ai trop attendu perso, je trouve, parce que niveau de monde 2, level 51, bastion 54, ça pique de fou. Putain, fait chier. Ah, attendez. C'est Octavia? Oh, j'ai fait aussi vite que je pouvais, madame. Je savais. Enfin, on a attendu 2 jours, quoi. Que vous viendriez. Ça va et toi, ça va super. Je n'ai plus beaucoup de temps. Vous devez réaliser les rituels du sang. Exorciser. Ouais, mais on l'a vu faire, mais on sait pas le faire. Le démon. Oh là là, je vais moi-même exorciser? Je ne peux pas. Vous avez besoin de mon livre de prière, mais le calice a été perdu. Vous devez... Rien, c'est la potion, un délai. Obtenir un autre. Où ça? Obtenir un autre calice, mais on n'a pas le temps. Madve, il est le gardien du calice. Attention. On n'a clairement pas le temps. Méfiant. Vous devrez peut-être ruser. Dépêchez-vous. Je vous prie. Mais les bastions, faut pas les faire à plusieurs, genre? Je sais pas. Vu que c'est dur et que c'est fait exprès que ce soit un niveau au-dessus, c'est pas prévu pour être fait à plusieurs, genre? On sait rien. Ça peut solo au KLM? Oh, ça peut solo au KLM, non. Ça peut, mais c'est pas trop au KLM. Pas quand t'as un build si peu opti comme le mien, quoi. Ah, c'est tout là-bas. Alors c'est pas une compétition là, on sait que vous êtes en mode j'ai un gros zizi, moi j'arrive, oh ouais c'est bon. On a compris. Non mais... Quand t'es une petite merdouille pas du tout opti comme moi, bah tant chie, ok. Et je pense que je suis pas la seule. On est plusieurs à en chier, d'accord? J'ai libéré Malnok 2 fois, ça fait ça tout seul, même si c'est dur. Dans le pur décès. Bah, Malnok, on a... J'ai failli crever, hein. Clairement. J'ai clairement failli crever. Ah, mais c'est la vie de la barrière, MDR. Attendez, c'est quoi déjà mes sorts? Ah oui, j'ai un ulti, c'est vrai. Regardez, il est stylé. Waouh, j'adore. En vrai, il fait pas tant de dégâts que ça, par contre. Je trouve. Hé, coucou ta gazine, comment ça va? Quand t'as pas ton build et les bons neiges, c'est pas facile. Ah, merci, on est d'accord. Quand t'es une petite merde pas opti, c'est compliqué. Nouveau type de golem débloqué sans... Ah! Oh, merde. Ça va aussi. Grosse merdier. J'aime pas quand je me fais prendre au piège comme ça, ça me stresse. Forêt de Kroll. Zizi ajouté en tant que terme autorisé par Krakna. Malnok, ça allait. Moi, c'était chaud Malnok déjà, hein. J'ai craché du sang, hein. Oh, j'ai cru qu'il s'appelait Gollum. Pas du tout. C'est quoi ça?
Miam. Miam, miam. C'est verrouillé. Pourquoi il y a des coffres? Ah, une clé chuchotante. Ah. Ah, c'est celle que j'ai achetée à... Ah, la meuf à qui on fait le gambling, là. C'est à elle qu'il faut acheter les clés chuchotantes, je crois. J'en avais acheté que une. Je l'ai déjà, ce relais, on est d'accord? Ouais, il est allumé. Ouais, contre des obols, on est d'accord. J'en avais acheté qu'une, j'aurais dû en acheter plusieurs. Ah oui, c'est le prêtre, putain, c'est la ville où ils flambent les gens ici, c'est vraiment grosse ambiance. Il me faut un calice, monsieur. Je l'ai gravé, il a intérêt à me le donner. Une telle chose. Seuls les fidèles. Écoute, Julien, comment ça va ? Leur vie au culte peuvent manipuler les objets sacrés. Cette mission m'a été confiée par la mère supérieure Prava en personne. Dois-je lui transmettre que vous refusez de répondre à sa requête ? Oh, le coup de pression. Oh, je vous prie de m'excuser. Il est si rare de recevoir des nouvelles de Kyovashad, encore moins de la mère supérieure en personne. Je suis honoré. Tenez, tenez. Il faudra d'abord le consacrer, bien sûr, par le sang des pêcheurs. De vrais malfrats se terrent dans les grottes à l'est. Oh, d'accord, Nouna. J'avoue, tu joues quoi, Nouna? Salut chérie, je suis pas ta chérie déjà, mais bonjour. Ok, c'est là la zone. Remplissez le calice de sang de bandit. Ah! Let's go. Ça va poutrer du bandit. Tu es coincé? Pétard, ils me coincent les petits bâtards. On va direct aller là-dedans. Ouais, là, c'est bon. Ah, c'est ça les bandits? Ah oui, let's go. Nickel. Bonsoir. Je sais pas trop par où aller pour en avoir plus. Oui, hydratez-vous. Ça, c'est du bandit. Voilà, mais les chauves-souris, ça va aussi. What the fuck? Ok, où est-ce qu'il y a du bandit encore là? Donnez du bandit! Donnez votre sang! C'est pas des bandits du tout. Pas des bandits. Ah, là, elle va bien. Flambeur, c'est des bandits. Oh, il y en a plein! Ah oui! Oh, donnez votre sang là. Je vois rien. Pourquoi il fait tout noir? Calice rempli de sang, c'est bon. C'était rapide. Retournez voir Madvey. Hop les. C'est vite fait. Putain, mais le ventilo qui souffle du froid sur mon bras, ça me caille le bras. Je sais pas comment le mettre pour que ça souffle du froid un peu vers moi, mais... Là, il y a juste mon bras droit qui est tout froid, c'est horrible. C'est une dinguerie, comment... Les PO, hein? Oh non, j'ai plus de batterie dans mon casque. Ça fait 1000 ans que je l'ai pas rechargé, il a tenu longtemps là, je l'avais vraiment rechargé en entier pour une fois. Parce que j'avoue, j'oublie. Et j'ai la flemme de le charger en entier et je le débranche. Vous voyez, chargé en entier, il tient longtemps. J'aime pas où il est mon fil. Ah mais tout sera branché. Ouais, j'irai. La prochaine fois qu'il fait tout doom, je le charge. Cible. Dégagez. La vague, je l'envoie vraiment juste pour le plaisir. En vrai, je la trouve pas si ouf que ça. Je tenterai de prendre un autre ulti, peut-être.
Enfin, après, c'est bien si t'as vraiment un boss qui te colle au cul et que tu veux le repousser, quoi. En mode recul, vermine. Astro, oui. Si vous voulez un super casque. Avec. Bien. Prenez maintenant un morceau du bois brûlant de ce bûcher. Et avec le petit logo Mandalorian dessus. N'hésitez et pas. Et reculez. Recule, je. Ok. Excellent. Ah, je suis en. Ah non, c'est. La mère supérieure a été bien avisée de vous confier cette tâche. J'ai cru que ça m'avait mis feu à moi, j'étais en mode il m'a arnaqué. Désormais. Et. Veuillez lui transmettre mes salutations les plus respectueuses. Ouais, ouais. Il est bizarre, lui. Ok, retournez. Non, si. Ouais, retournez chez Kevra. C'est ça, oui, foi dans le sang. Ouais, y'a que ça. La vague est bien si t'as un légendaire qui la booste. Ah ouais? Non, oui, c'est ultra nerf. Ah ouais? Non, c'est sad. Mais non, ouais, j'avoue que c'est bien. Attends, je peux me TP plutôt. C'est bien pour se repositionner et tout, ouais, mais. Oh là, putain, mais faut que j'arrête de gratter. Mais ouais, sinon, tu dois te dire juste à les pousser. Moi, je m'attendais à ce que ça les pousse et qu'en plus, ça fasse des gros dégâts, tu vois, vu que c'est un ulti. En fait, ouais, non, juste ça pousse les ennemis en mode ouais. Bon. Après, elle a du flow. Mais bon. D'ailleurs, attendez. Ah, on en a deux. Y a quoi d'autre comme ultime en vrai? En plus, je l'ai augmenté pourtant. Ça laisse des orbes de sang et tout, mais bon. Ça laisse... En vrai, ouais, c'est vraiment juste du contrôle, quoi. Les dégâts, ils sont vraiment minimes. Ça les pousse, ça les slow. Et ça donne des trucs, ouais, mais bon. Peut-être j'en tente un autre. En mode, y a quoi qui peut être drôle? Nullité putride. Armée de mort. C'est lequel le mieux? Armée de mort, tempête d'os. Tempête d'os. Mais j'ai pas de golem. Attendez, mais je suis censée avoir le golem, non? Esprit d'os. Ah, ça a refait tout doom. Ok, je vais... Faut que j'y mette en charge. De quoi passer trop, je... Côté du fil. Alors c'était chiant. La plupart des compétences pétées du nécro ont été nerfées. Bah ouais, je sais que ça a été full nerf le nécro. C'est chiant. Bah j'ai fait la quête pour justement Karasu normalement. C'est pour ça que je suis en mode wheeler mon golem. Parce que je crois que on a fait un truc en rapport avec le golem. Je suis pas folle, non? Je suis folle ou pas? Non, d'os. Dans mes souvenirs, on a fait un truc en rapport avec un golem. Mais où qu'il est? Comment je l'ai, le golem? C'est peut-être plutôt là-dedans? Livre des morts, golem! Oui! Voilà! Alors, attendez. Est-ce que ça va me... Os ou sang. Golem absorbe 15% de dégâts que vous devriez subir. 25% d'agression de dégâts. Comment je l'invoque, mon golem? Il y a une compétence. Faut que je fasse un choix entre mon golem ou pas? Chaque fois votre golem d'os subit un montant. En vrai, attendez, on va. Je peux prendre ça? Tac. Active. Comment je fais pour le prendre? Parce que là, c'est... j'ai juste ça. Il faut que j'y mette quelque part. Pas dans compétences? Comment je le fais venir, mon golem? Viens, bébou! Parce que c'est une compétence comme ça, là. Eh, c'est compliqué les trucs de compétences. Menu, compétences, attribuer. Dans compétences, clique sur attribuer. Hein? Ah, attribuer.
Ah, il est là. Oh, putain. Faut le voir, le bail. Est-ce que, du coup... Je le mets à la place. Mes petits trucs, je sais pas si c'est bien. Je préfère les gros golems, perso. Ah, voilà. Ouah, il est beau. Je pense que je préfère avoir un gros golem qu'une armée, je sais pas. Ouais, je sais que je peux avoir les deux, mais ça m'enlève beaucoup de compétences après, quoi. Après, si le golem meurt, il réapparaît. Et si je l'active, il se passe quoi? Votre golem devient inarrêtable et draine le sang des adversaires. Il réapparaît tout seul, n'empêche, du coup. Et ouais, du coup, je peux prendre un truc dans mon livre, là. Lui, je vais garder ça. Le truc des guerriers squelettes, je peux mettre autre chose, du coup. Vos chances d'infliger un coup critique sont augmentées. 15% de résistance aux dégâts non physiques, mais vous ne pouvez pas... Là, là. 15% de dégâts d'ombre. En vrai, on peut prendre ça, par exemple. Et ça... Votre essence max a augmenté. 15% de dégâts supplémentaires aux adversaires vulnérables. Comment on fait pour que ce soit vulnérable? Vos dégâts d'accablement. On va mettre ça pour voir. Comment t'as fait pour avoir le golem? Bah, il y avait une quête, ouais, je crois. Je crois qu'il y avait une quête que j'ai fait et depuis j'ai débloqué le golem. Ça rend durable, bah nickel alors. Ouais, mais justement, Nuna, je sais, vu que si je les remets pas, les petits, c'est fine du coup. Vaut mieux que je prenne le passif, tu vois. Si je m'en fous des petits et que je garde que le gros golem. Comment ça, Diablo 4? Bah, Diablo 4. Merci beaucoup, Megara, pour le follow, bienvenue. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, on allait où, là? Bon, on retournait... Oui, on allait... Oh là là, ça va mal se passer, là, je le sens. Je sens que ça va mal se passer. Ah, mais j'ai même pas mis les points, du coup. J'ai envie de tester l'armée des morts. Ça a l'air un peu drôle. Je peux la prendre ou pas? Pas encore appris. Je peux pas si j'ai déjà un autre? Oh shit. Faut réattribuer? Non. Si j'ai déjà pris lui, faut que je réattribue? Va-t'en, toi! J'ai pas envie de tout réattribuer non plus, là. Fais chier. Bon, comment on retire individuellement? Eh, j'ai pas trop... Ouais, juste tège lui, là. Impossible de retirer ce nœud, ça briserait la connexion vers un autre nœud. Mais m'en fous, mon ref. Laisse-moi faire. Et coucou, Vander, comment ça va? Les graphismes sont bizarres. Ah non, t'as raison, en regardant mieux. Ah oui, je sais à quoi je joue, mon ref. Genre, l'autre, il arrive en mode... T'es sûr que tu joues à Diablo 4, là? Ouais, hein. Genre, sur le launcher, il y avait vraiment écrit Diablo 4. Et aux dernières nouvelles, je savais lire les chiffres. Donc oui, c'est Diablo 4. Hein. Je mens pas. Clique droit sur le spell. Ah, faut que j'enlève les passifs d'abord. Ah! Bien vu, merci. Ok, on va prendre ça, du coup. On va tester celui-là. Parce que les squelettes sont insta... Ok, on va prendre ça, du coup. Tac. Comme ça, on est bien. Et qu'est-ce qu'on met d'autre comme sort? J'ai un peu envie de... Ouais, on a qu'à prendre des passifs, au pire. Les orbes vous soignent. Attends, hauteur de nanana. J'ai qu'à prendre des petits passifs. Ah, ça, c'est quoi? La brume. Ça, c'est bien. On fait un montant de fortification. Bon, pour l'instant, on va juste hop, mettre des trucs random et je m'y pencherai mieux après. Parce que là, j'ai la flemme. Afflux sanguin renforcé. Faut que je renforce ça, en vrai. Mmh.
Un montant de fortification. Ouais, vas-y. Tac. Voilà, pour l'instant, on va juste prendre ça. Tu crois jouer à Diablo 4, mais la vie est une illusion. Ah, je te jure. Il y a toujours 1000 difficultés avec les tourments, etc. Ouais, mais t'atteins des niveaux de difficulté supérieurs que quand t'arrives niveau 50. Au début, tu choisis que entre niveau 1 et 2, genre. L'état de la sœur a fortement... Et là, faut atteindre le niveau 50, ouais, et après t'as les bails de tourments et tout. Mais là, nous, on est niveau 28, du coup. T'es sûr tu streams sur Twitch? Qu'est-ce qui s'est passé? Après votre départ, la sœur, elle... Le démon parle à travers elle. Oh non. Elle souffre terriblement. Eh, merci beaucoup, Wander. Tenez, je vais le placer pendant que vous vous préparez. Nous devons faire vite. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur. Tout le monde, c'est 80... C'est 70? Ah oui, t'en débloques un niveau 50 et un niveau 70, c'est ça? Cave inquiétante. Ah ouais, elle est full possédée là. Vous venez voir votre camarade mourir? Oh merde, je mets le calice. Oh, père, ouais, 50 cauchemars, 70 tournants. Purifiez de votre lumière le sang vicié que je verse aujourd'hui. Inondez voilà, de votre lumière les ténèbres qui nous entourent. Oh, encore ces chants pitoyables! Êtes-vous si pressé de me voir glacer son sang? Ouba. Bah alors? Continue l'exorcisme, bah je fais quoi? Faut que j'interagisse avec le calice, mais il est recouvert de cadavres, je le voyais plus! Qui obscurcisse l'âme de cette femme. Père, faites que ce démon soit expulsé. Au moins pour l'instant, il n'y a qu'un niveau. Ça viendra peut-être plus tard, non? Je suis sûr que vous trempiez dans quelque abomination! Non! Arrêtez-le! Mais qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez ça immédiatement! La mère supérieure apprendra cette hérésie! Vous brûlerez tous sur le bûcher! Mais il me les brise, celui-ci, qu'est-ce qu'il veut? Non! Vite, oh! Achevez-le! Comment ça, achevez-le? Ah, le démon! Je croyais, il parlait de permadevé! Putain, je vais pas le fumer quand même! Pardon! J'allais fumer le prêtre, moi! J'en ai assez! Ma sœur! Non! Oh non! Non! Comment arrive-t-elle encore à lutter? Octavia! Ah! Impossible! Ow. Pousse-toi. Ah ça j'ai ça aussi, faut que je change de compétence, celle-là je m'en sers pas. Ça dégage la racaille. Ma soeur, dites quelque chose. Octavia elle est dead du coup? De grâce, réveillez-vous. Oh, elle est heureux à peu près là. Elle a pas l'air en forme. Oh, il fait sacrément trop froid ici. PDDR, elle est en vie. Oh, que la lumière soit louée. JPEP, elle est en vie. Alors là. Ma sœur, vous vous sentez bien? Oui, vous avez réussi. Meilleur le passage du jeu, le mec qui met une droite au prêtre de fou. Je suis impressionnée que vous ayez pu reproduire le rituel si rapidement. Exorciste professionnel ici, du coup. Il a fallu du temps pour le maîtriser. Hey. Sœur Octavia, vous êtes saine et sauve. Mais ces gens se sont livrés à un blasphème de la plus grande ampleur. Ils ont menti, volé des objets sacrés et brutalisé un prêtre de la cathédrale. Brutalisé un prêtre. C'est vrai qu'il lui a mis une grosse droite. Brûlé sur le bûcher avant ce soir. Bah non. Comment pouvez-vous agir aussi imprudemment quand la mère supérieure... Oh. Mais c'est ça leur problème, ils aiment trop brûler des gens. Que vous avez permis à une roturière de duper son représentant, que vous avez abandonné vos ouailles à Margrave, les privant de la sagesse de la lumière. Si c'est le pire perso, le prêtre. Cet horrible bûcher,
Alors vous le serez avec moi. Pire perso. Avec un petit stand d'hamburger. Ah oh, oui, là on dit oui. Je suppose... Et vraiment, on est d'accord que c'est une sale merde. Je me suis trop longtemps absenté de Margrave. Je devrais y retourner sans tarder. Ouais, retourne-y, ouais. Allez, Oust. Sœur Octavia, de grâce, prenez davantage soin de vous. La cathédrale est plus forte avec vous en pleine forme que malade dans un lit. Mais il dit ça comme si elle avait choisi de se faire posséder. Oh, bah aussi, t'es chiante, là. Accordez-moi un instant. Je vous rejoins dehors. Oui. Vous méritez des remerciements en bonne et due forme. Je crois pas qu'elle ait choisi, hein. J-Pep. Vraiment, Octavia, meilleur perso, et le prêtre, pire perso. Retrouver sœur Octavia à l'extérieur. Bah, elle est où? Ah! Elle prenait son temps, elle est fatiguée. Je me réjouis de voir que vous allez bien. Oui. Je sens déjà la chaleur revenir. Merci, mon ami. J'ai fait peser un grand poids sur vos épaules. C'est vraiment ma bro. Je vous ai demandé de mentir pour moi et de vous mettre en danger. Broctavia. Si vous aviez refusé, je l'aurais compris. Mais non. Vous m'avez sauvé. Et ce faisant, vous avez sauvé d'innombrables autres personnes que je peux encore aider. Et le prêtre Matvey. J'espère qu'on va refaire des exorcismes avec elle. Non. Il gardera pour lui ce dont il a été témoin. J'espère pouvoir apprendre au reste du clergé à avoir un peu mal à la tête, confiance en ses fidèles. Je voudrais que vous preniez ceci. Même réflexion qu'un patron qui dit à son employé, je préfère que vous tombiez pas enceinte. Merci encore. Vous aurez toujours une alliée au sein de la cathédrale. Non, ça passait pas avec mon casque. 20 de renom, 14 000 d'expérience. Let's go. Foi dans le sang. Ah, j'ai cru qu'il y avait écrit foi dans le sac. Je suis en mode, hein. Let's go. Bon bah, je pensais qu'elle allait mourir, mais même pas. Très contente que Octavia soit en vie. Hein. J'aurais été très triste. C'est vraiment ma bro. Putain, mais la map, elle est si grande, j'avais pas capté. Hein. Du coup, attendez. Bah, je crois qu'en vrai, là... Les quêtes secondaires, là, c'est plus que des trucs flemme. Donc en vrai, je pense qu'on va continuer la quête principale, non? Acte 1, l'ardeur et la ferveur de la foi, c'est lequel? C'est lui? La traversée. Ouais, c'est lui. On va aller là-bas, je crois bien. Parce que bon, la dernière fois, on n'a pas touché à la quête principale, il serait temps. On est bientôt niveau 30, on n'a même pas... On n'a même pas fini l'acte 1. Voix obscure, j'ai peur. Est-ce qu'on est déjà allé là-bas ou pas? En plus, j'ai déjà exploré et tout la map un peu. C'est parti, votre portail se ferme, m'en fous, t'inquiète. Ah. Je viens de finir l'acte, je suis level 34. Bah voilà. Putain, mais mon gros golem, il prend beaucoup moins l'aggro, non? Il a une... Ouais, je sais pas. C'était parce que là, j'étais devant, mais... J'ai l'impression qu'il prend moins l'aggro que les petits, non? Ou je suis folle? J'aime trop juste, tu retournes un villageois mort, le boug il gicle du sang. Ça n'a aucun sens. Il a pacté sa compétence pour l'inimité. Moi en donjon qui oublie ma compétence de tank, be like. Encore des étrangers au campement. Raciste. C'est raciste. Mon charge, c'est parti. Les êtres pas aggro pour me parler. Ouais, mais même, genre, mes petits squelettes, ils étaient plus dans l'aggro quand même.
Genre vraiment les mobs ils m'approchaient pas du tout. En même temps c'était parce qu'il y en avait plus et du coup dans la marée de petits mobs les méchants allaient plus vers mes invoques peut-être. C'est juste pour ça. Ah oui, c'est vrai qu'on était avec Nerel. Putain, j'ai l'impression qu'elle date tellement ça fait longtemps qu'on n'a pas avancé la quête principale. C'est vrai que Nerel, elle était bizarre. Cette jeune femme-là, elle... Sus, sa mère, elle a trempé dans des trucs de magie bizarres et elle... Je vous expliquerai en chemin. Ok. Voilà, elle fait un peu la meuf mystérieuse, quoi. On va où, là? Ah, là-bas. Wouh! Oh bah! C'est quoi eux avec leur bougie sur le dos là? Mais non, Mais putain, mais mon. Il se fout de ma gueule, mon golem! Je pensais qu'il allait le finir, il le finit pas. Je viens de faire une quête, j'ai failli pleurer. Let's go! Un plaisir. Bon, de toute façon, j'ai chialé sur Diablo 3. Il y a de fortes chances que je chiale ici aussi, hein. On va pas se mentir. La description faite par Ratma du rituel était dure à comprendre. Ah oui, Ratma. Et les notes d'Elias ne valent pas mieux. Oh là là. Mais je pense savoir comment parler à ma mère à nouveau. Mais c'est... Est-ce que c'est une bonne idée tout ça? Tout ça ne me dit rien qu'il vaille. Mais oui, sa mère, elle était dead du coup. On l'a fumée. Nous-mêmes. Y'a rien là? Non. On patauge là. C'est quoi ce pédiluve énorme? La brise. Ah. En provenance du lac noir. Mais attends, mais c'est sa mère. La sentez-vous? Dépêchons-nous. On a vraiment pas bougé son cadavre? On l'a vraiment laissé là? Let's go. On l'a laissé en merde par terre. Oh là là. Mère. Mère, s'il te plaît. Est-ce c'est que tu un m'entends? Zombie. Comment elle marche? Mon rossignol. C'est toi. Oh là. Te sauver, mère, je te le promets. Je peux apprendre comment. Nerel, arrête. Oh. Je ne peux pas être sauvée de mes erreurs. Ce corps n'est qu'une enveloppe. Mon esprit doit continuer sa route. Et tu dois me laisser partir. Merde. Ah, bah, grosse ambiance directe. J'ai besoin de toi. Bah, déjà envie de chialer. Tu dois continuer, mon rossignol. Continuer sans moi. Mais je peux t'aider une dernière fois avant de partir. Vous portez la bénédiction divine. Marie, je sais comment ça va. Votre sang est la clé manquante. Ah, je suis l'élu. Ah ouais, j'ai même pas hésité. Mon sang est la clé, schlack. Ok. Après, sa mère, elle a l'air d'avoir retrouvé ses esprits maintenant, du coup. Enfin, elle est elle-même, on dirait. Donc, je pense pas qu'elle nous fasse faire des trucs malveillants. Enfin, ah, je sais pas trop. Nerel. C'est quoi le jeu? C'est Diablo 4. Ça va et toi? Ça va super. La narration est vraiment top. Bah ouais, Diablo, le lore et tout. Ah, du coup, sa mère. Aïe, aïe, aïe. C'est un petit peu triste, là, quand même. Nerel. La voie est libre. Allons-y. La pauvre. Mais pensez-vous que Lilith est encore là, au moins? Ça fait si longtemps. Ouais, elle a dû partir. Je l'emporte, cette fois. Et puis... Lilith, elle s'est barrée depuis longtemps, hein. Je dois m'occuper de ma mère. Ouais, on va peut-être pas laisser son cadavre. Mais ce n'est pas encore fini. Pas pour vous. Lilith en avait après Ratma. Trouvez-le. Et découvrez pourquoi.
on se retrouve au caveau. D'accord. C'est beau cet endroit par contre, enfin c'est glauque mais c'est beau. T'en penses quoi du nécromancien, c'est à ce classe? Ouais, pour l'instant c'est ma première classe, ouais. Et j'aime beaucoup franchement, mais j'aime trop les nécromanciens dans les jeux, en même temps je suis pas objective. Je me sens comme chez moi ici. Comment ça je me sens comme chez moi? Dans l'endroit le plus glauque du monde, c'est qui ça? C'est censé être Atma ou pas? Stylé en tout cas. Poursuivez Lilith. Non mais Lilith, on a mis 4 ans et demi à y aller. Ah, ça bouge! Eww! Quelle horreur! Ah, c'est dégueulasse! Ah, mais il y a tout qui bouge, mais c'est... Vous êtes la dernière à visiter mon sanctuaire. Salut, Ratma! Mais vous arrivez trop tard. Diablerie! Comme Lilith avant vous. C'est mon père. Ah, donc Lilith n'a pas eu ce qu'elle voulait. Qui est arrivé ici en premier? Tout s'est déroulé comme mes visions l'avaient prédit. C'est Inarius qui arrive en premier? C'est bon ou mauvais signe, ça? Nous nous précipitons à grands pas vers le dénouement de la prophétie. Parce que théoriquement, c'est censé être bien qu'un ange soit passé par là avant un démon, mais... Mais vu que j'ai absolument pas la moindre confiance en les anges, et encore moins en Inarius... Ah, mais vraiment... Ah, mais les bouts qui bougent, là, ça me... Aïe! Ça me dégoûte. Ah, c'est ignoble. Quel enfer. J'ai envie de rire le sorcier pour brûler tout ça, je te jure. Clop, clop, clop. Voilà. Je ne suis pas encore prête. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Biscuit. Ça dégage, la racaille. T'as essayé de jouer avec les blondes cadavres? Non. Inarius, c'est le chef des anges. Bah, pas le chef, mais... Mais du coup, ouais, c'est le père de Ratma, quoi. Inarius, il a... Ça a fricoté avec du démon, quoi. Ça a fricoté avec du démon. Et après, ça a pas assumé. Pourquoi Zelle? Comment ça va? Ça a commencé par des rêves. J'y ai vu la fin de ce tueur. Les écailles d'un grand serpent portaient cette vision. Les écailles d'un grand serpent? Je suis donc allé lui rendre visite. Il a l'air cool, Ratma. Je l'aime bien. Mes pensées et celles du serpent se sont rencontrées. Et le futur fragmenté a été réparé. Je l'ai remis en ordre. Et la prophétie a vu le jour. La prophétie. Chaque fois que j'entends Ratma, j'entends Ranma. Hein? C'est qui? Ratma, franchement, il a l'air super stylé. Déjà, d'être l'enfant d'un ange et d'un démon, c'est stylé. D'être le père de la nécromancie, c'est stylé. Je dois détruire les tumeurs avant de pouvoir continuer. Détruire les tumeurs? Quelle horreur. Faut que j'aille où là? Ah, faut que je les détruise toutes, doit y en avoir par là à tous les coups. Where, tu meurs? C'est où ces trucs dégueux là? Ah, y'en a là. Ça leur fait rien ça. C'est un animé? Ah, j'ai pas la ref, ouais, désolé. Désolé, j'ai pas. Bing bing, alors Diablo, trop bien là, on refait un petit peu de quête principale, on l'avait grave pas fait. Bonne continuation, merci beaucoup et merci pour le follow. Coucou Tony, c'est nécromancien, ouais, tout à fait. Là, je sais pas où je vais, il y en a un peu partout. Je suis sûrement pas au bon endroit encore. Hein.
si je préfère mon groupe golem ou les petites invoques. Je sais pas du tout encore, faut vraiment que... Salut. Viens par là, non? Il y en a un à foutre. Mais... Oh! Mais pourquoi je peux rien? Putain, mais je suis dans le chat, putain. Pourquoi ça ouvre le chat tout seul? Ça fait péter des plombs, ça. Oh, quel enfer, j'étais encore dans le chat. Bon, là, je suis étourdie, ok? Mais après, ça m'a mis dans le chat. Je m'étais dans le chat. C'est trop chiant, ça. Je sais pas où ça clique. La prophétie. Mais quand tu cliques à un endroit précis, ça te met dans le chat. C'est un enfer. L'autre savait, mais ne pouvait comprendre la nature d'une telle chose. Je savais qu'Inarius serait là. Mauvaise manip dans l'action. Non, mais ouais, c'est qu'il y a un endroit, si tu cliques, ça t'ouvre le chat. Et du coup, ça te... Ça te nique tout, c'est trop chiant. J'ai le cœur de la haine aux enfers. J'avoue que c'est le seul défaut du jeu niveau gameplay, c'est ouais quand tu cliques. Mais ouais, le chat de mort. En plus, ouais, y a pas que moi. C'est ouais, tu cliques dans le chat et tu te fais niquer quoi. Trop relou. Bonjour, Wookie, comment ça va? Mais ouais, c'est bien chiant en tout cas. Bien, bien chiant. C'est pas avec les emotes que tu peux ouvrir au chat. Bah, je sais pas, j'ai pas mis d'emotes pourtant. Ok, chelou. Ok, il manque deux vieilles tumeurs à trouver là. J'ai pas de soucis à la mettre, tu peux pas désactiver le chat. Bah. Je pense pas parce que regarde là il est même pas activé tu vois, mais des fois quand tu cliques à un certain endroit, je sais même pas où c'est. Mais quand tu cliques quelque part à gauche, des fois ça fait ça. Ça va bien et toi tu nécro? Oui, ça va super et ouais on est petit nécro. Bah, je sais pas si on peut le désactiver totalement le chat. Eh oh. Oh, les trucs boursouflés là, dégueu. Bah. Pareil, ma foi, elle fait zéro dégâts, je sais pas si j'aime bien. Ouais, la faux est pas terrible. Je suis pas fan. Enfin, j'aime plus trop. C'était stylé, mais. Qu'Inarius ne découvre ce que j'avais fait. Qu'ils viennent me demander la clé. Mais. De toute façon, je l'ai dit que j'allais remplacer la faux. Je sais pas encore par quoi, mais. Je suis à c'est le sort que je vais remplacer. Tu peux invoquer qu'un seul monstre? Non, je peux en invoquer beaucoup plus si je veux, mais pour l'instant, j'ai choisi de mettre juste le golem. Mais si je veux, je peux en avoir plus. T'as testé d'autres classes? Pas encore. Pour l'instant, je suis juste sur nécromancien. Mon fardeau est trop grand. Mon fardeau est trop grand, mince. Et Cousin Vius, comment ça va? Pas super grand de l'attaque. Ouais, la faux, on dirait que la hitbox est très petite, genre, je sais pas. Du coup, bah... Ok, c'est bon.
Du coup, c'est un peu nul. Éliminer la dernière tumeur. Ah, ça doit être là-bas. Mais ouais, non, c'est que j'ai l'impression que ouais, la zone est très petite et du coup... Oh ! Tu refuses de me donner la clé. Tu oses faire obstacle au sauveur. Le sang sacré qui coule dans tes veines devrait bougir. Il se prend pas pour n'importe qui, celui-ci, hein. Aucun de tes actes ne changera le futur que j'ai vu. Je forge ma propre destinée. Et ta prophétie n'en est qu'une simple fraction. Elle dépasse de loin l'entendement de mes descendants ingrats comme toi. Les drops gagnants, les récupou. Ouais, dans la garde-robe, c'est... Ouais, c'est des drops cosmétiques, hein. C'est pas des items. Tranquille, il fait chaud. Bah, same, mais heureusement, il pleut. Heureusement, là, il a plu cette nuit et là, il pleut toujours. Ça m'est trop bien. Ce que tu dois comprendre, les ailes des anges, par contre, j'adore. C'est qu'une fois que je serai victorieux des enfers, les cieux m'accueilleront à nouveau. Comme et quel niveau je suis 28. Si seulement c'était vrai, père. Putain, c'est vrai que c'est son daron, j'arrive pas à m'y faire. À l'aide ni de la pluie. Ouais, j'ai trop de chance, là, vraiment. Il prévoyait ça à la météo, j'étais en mode, c'est la météo. Et non, ouais, il a vraiment plu toute la nuit et là il pleut toujours. Ah, ça fait du bien. Maudit soit ça. Ça respire. On me suit. Tu prends pas le temps d'appuyer sur la touche d'invocation. Mais j'ai que le golem. J'ai désactivé les autres. Et mon golem, il est là et j'appuie sur la touche. Mais ce qui me coûte un bras. Ah bah ça. C'est quoi ça? Oh! Waouh! Oh, c'est stylé! C'est trop stylé! Mais j'avoue que les skins, j'ai pas trop regardé les prix à part ça. De toute façon, franchement, t'as déjà des trucs stylés. Hein. Dans D4, y a-t-il le système de compagnon quand je solo ou pas? Compagnon, comment ça? Les petits. Comme les trucs de Diablo 3 qui ramassaient la thune là? Si c'est ça, non, y a pas. Et compagnons, juste les gens qui te suivent, ouais, des fois y en a qui te suivent. Étrange. Ah! Oh non, mais j'étais grave pas dedans par contre. Je ne suis pas en train. Une chance de spell fast. Mais la hitbox de ces zones de mort là, on en parle. Il me faut plus de temps. Attends, comment ça, il y a un autre truc? C'est qui? Quoi? Je suis là. C'est... Il nous aide. C'est bien sympa ça. Ouah, les grosses vagues de sang, c'est... Oh. Faut vraiment que je prenne autre chose parce que ma peau, j'ai l'impression, elle fait que dalle. Non, mais je t'ai grave pas dedans par contre là. Là, ça dég. Il me faut plus de temps. J'ai pas de dégâts, c'est ça le problème qu'on a. Mais là, il prend rien. Faut que je fasse quoi, là? Ah, là-bas. Sweep! Ok. Allez, bruitage, là. Splotch, splotch, splotch. Splotch, splotch.
Ah mais ça là, ça c'est ce qui passe ça. Après bon, je fais pas beaucoup d'efforts, je marche un peu dedans mais. Je ne suis pas encore prête. Il me faut plus de temps. Ah, il en fout partout le livre hein. Ah ouais, je meurs cruellement de dégâts. Merci beaucoup pour le sub. Attends, je regarde. Je panique un peu. J'arrive. Merci beaucoup pour le resub. Biba boum. Si je tourne la tête, je sens que je vais me faire fumer ma mère. Donc on va se concentrer. Aou. Ah oui. Il a mis par terre mon golem, le bâtard. Putain, c'est stylé par contre, il y a du sang partout. Mais on dirait du sang un peu mélangé avec du pu, j'aime moins. J'aime bien le sang propre. Là, c'est un peu du sang mélangé avec du pu, je suis moins fan. Hein. Aïe. Vraiment moins fan. Je ne suis pas encore prête. Let's go. Ah ! MDR. Je viens vraiment encore de drop un légendaire, là. Merci beaucoup, Mala, pour le sub, du coup. Merci beaucoup, c'est gentil. Merde, j'ai plus de place encore, là, comme d'hab. Faut vraiment que j'aille recycler. Tout ça, tac. Let's go. Tain, j'ai... Ouais, je manque cruellement de dégâts. Ma faux, elle pue la merde. Ça, c'est nul. Voilà, c'est mon avis sur ce spell, c'est nul. Ça, c'est vraiment un truc défensif. Donc là, j'en avais pas besoin, ça servait à rien. Ma Nova, je l'aime trop, mais elle consomme tellement de mana que bon, t'en utilises deux, t'as plus de mana. Et mon golem, en vrai, il a fait le travail. Il avait l'aggro, il le cognait bien. J'aime bien mon golem, en vrai. Et l'armée des morts, c'est pas trop mal, mais je comprends pas trop comment ça marche. Enfin, c'est bizarre, vous réveillez les morts, émergent du sol pendant 7 secondes et explosent lorsqu'ils sont à proximité de leurs adversaires. J'ai l'impression que ça fait pas hyper mal encore. Hein. Les ultis, ils font pas énormément de dégâts, j'ai l'impression. Lorsque les squelettes instables d'armée des morts explosent, ils ont 15% de chance de laisser un cadavre derrière eux. Ouais. C'est peut-être mieux... Ah oui, armée des morts fait aussi... Relevez vos guerriers squelettes et mages squelettes. Ouais, ça se combote peut-être mieux si t'as les armées. Je les ai pas, donc c'est peut-être de la merde. C'est peut-être pas ouf. Coucou Kiwi, comment ça va? Il est pas... Il combote pas trop avec ce que j'ai, moi. Et la faux, c'est un peu nul. Je pense qu'il faut que je voie pour un autre ulti et remplacer la faux. Mais le golem, par contre, je l'aime bien. Je vais le garder, je pense, pour l'instant. Oups. Ouais, c'est ce que je viens de lire, Luna, ouais. Ça raise tes trucs si t'as les squelettes, donc c'est bien. Sauf que moi, du coup, je les ai pas. À part mon golem, sauf que mon golem reste déjà tout seul. Mais du coup, c'est quoi, ça? Pourquoi on dirait une vierge de fer? Il y a des pics dedans. C'est totalement ça. Vigo? Vigo? J'ai fait tout ce qui m'a été demandé. La douleur est partie. C'est à la fois glauque et trop stylé. Parce que c'est tellement ça. J'ai vu des pics, j'étais en mode attends. Juste châtiment. Un homme plus courageux aurait refusé l'offre de Venar. Oh, Nerel. Nerel. Mais Vigo. Bien oui. Elle est en sécurité. Mais Vigo, mais tu mérites pas ça, mon ref. Notre rencontre n'est pas fortuite. Je voulais apporter mon aide. Chevalier de pénitence. Ah ouais. Donnez ceci. Je pense qu'il a fait pénitence bien comme il faut là. C'est quoi? Non, franchement, je veux bien qu'il a fait une erreur le bougre, mais il faut doser. Je me suis repenti. Pensez-vous qu'il est trop tard? J'ai envie de chialer. Il n'est pas trop tard.
La lumière est venue vous ramener chez vous. La voyez-vous? J'ai envie de chialer premier degré. Oui, je la vois maintenant. Ils sont là. Alors, c'est horrible que Viggo soit dedans, mais c'est trop stylé. Vous n'aviez pas besoin de cette armure pour prouver votre valeur, mon ami. Mais oui, franchement, Viggo, il méritait mieux. F pour Viggo, vraiment. Et merci beaucoup, Raphaël et Gigo Daniel pour les follow. Bienvenue, merci beaucoup. Oh, c'est horrible. C'est là où j'ai capté que les anges, c'est vraiment pas des gentils. Ah non, mais les anges, c'est les pires merdes, hein, on le dit depuis le début. Hein. C'est... Ange art trash, hein. On le répétera jamais assez. Hein. Ange art trash, je vous le dis. Je ne peux rien apporter de plus. Qu'est-ce qu'elle a l'amulette? Vous subissez des dégâts lorsque vous n'êtes pas en bonne santé. Une bulle magique est invoquée autour de vous. Oh, trop stylé. Appelez. Et ça, c'est quoi? Ah, j'ai eu un... Putain, mais je vais être full stuff en légendaire, MDR. Consommer un cadavre a 27% de chance de faire apparaître une orbe de sang. Oh. Il y a mieux, par contre. Après, bon, il a des meilleures stats. Hop. Faut que je mette des gemmes. J'ai même pas mis des gemmes dedans. Je vais vous dire, dans Diablo, ange ou démon, même bail. Même gens pour être l'intérieur. Mais ouais, vraiment. Le truc, c'est qu'au moins, tu vois, les démons, tu sais à quoi t'attendre. Alors que les anges, tu pourrais te dire qu'ils sont gentils. Et non. C'est fou, hein. Je connaissais que Tyrael, et en fait, je me rends compte que c'est le seul ange vraiment gentil. Mais c'est ça. Si tu te fies que à Tyrael, tu te dis, ah ouais, les anges, c'est les bros. Sauf que non. Tyrael, c'est l'exception. C'est le seul qui défend un minimum les humains et qui est pas une sombre merde. C'est le seul. Vraiment, ange art trash, sauf Tyrael. Vraiment, sauf un. C'est terrible. Après, dans le 3, il y en a quelques-uns... Il y en a un ou deux qui étaient un peu stylés, mais il y a que Tyrael qui est vraiment gentil. Pas besoin d'insister. J'ai eu une vision de la clé dérobée de mon cadavre, sous l'œil attentif du grand serpent dans mon sanctuaire. Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien là, par contre. Si tu as été désigné comme tu le prétends, cela se réalisera. Non mais Inarius, c'est... La prophétie, tout... Ouais, c'est lui qui a tout inventé, il se fout trop de notre gueule, c'est sûr. C'est le sauveur de rien du tout, hein. Il veut juste se venger de son ex, c'est sûr. Tyrael est aussi le seul à se débarrasser de ses ailes. Bah en même temps, oui, il mérite mieux. Tyrael, c'est genre tant mieux que c'est plus un ange parce que il mérite mieux. Il est mieux qu'eux. Clairement. C'est hein. Trop calme. Il est où mieux qu'eux. Hein. Ouais, Auriel était pas mal. C'est pour ça que j'ai dit il y en a quelques-uns, enfin quelques-unes, qui étaient. Bah, t'es en mode vas-y. Elle avait l'air sympa. Auriel, j'avoue, elle avait l'air ok. C'est. Ratma. Oh, pétale de sang de Lilith. Attends, c'est son corps? Pourquoi son corps il est au milieu des escaliers? Caca Inarius, vraiment. Oh! Qu'est pas ça? Il est pas redevenu humain dans le 3, si. Si, il perd totalement ses ailes, il est totalement humain. Ouais. C'est pour ça que c'est le bro. Oh! Momi. J'ai envie de me mettre à genoux, Momi. On se tous à la révérence pour Momi. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je ne sais pas si tu aurais choisi d'être à mes côtés dans ce nouveau monde. Ratma. Ces ailes-là. Mais je t'aurais gardé une place. Malgré tout. Oh. Et maintenant, on m'a volé l'opportunité de voir tout ce que tu aurais pu devenir. Voler. Oh! Cette clé ouvre bien plus que les portes des enfers. Elle nous ouvrira la voie vers l'avenir.
Un avenir rendu possible grâce au prix que tu as payé. Elle est un peu vénère. Non mais regardez son flot. Ton sacrifice n'aura pas été vain. Oh, avec les pétales. Non mais le design du perso, c'est vraiment Lilith, mais... Désolée, je simp fort, mais je... Vraiment, je suis simp numéro 1 de Lilith. C'est terrible. Les frissons, maman. Non mais la musique était insane, hein. Point lore, Imperius, Tyrael, Maltael et deux autres constituaient en gros le centre du pouvoir au royaume des cieux. Inarius était le conseiller. Et puis on connaît l'histoire d'Inarius, Lilith, le sanctuaire, Imperius qui crache sur l'humanité, Tyrael puni. Puis le retournement de veste d'Imperius dans le 3, la frustration de Maltael dans le 3 aussi. Bref, caca les anges. Mais ouais, hein. Clairement, caca les anges. Hein. La dernière phrase résume tout. Pour ceux qui sont pas trop à jour dans le lore et tout... La dernière phrase de Nuna résume le lore parfaitement. Elle me rappelle ma darome quand je me faisais prendre en flag en train de jouer à la Game Boy. Bah franchement, on aimerait tous que ce soit notre maman. Hein. Clairement, clairement. Mais ça se voit qu'elle était... Elle avait l'air... Je sais pas si elle était un peu triste quand même. Maltael, il a pas tué 80% de l'humanité en plus. Bah un peu, ouais. Mais en même temps, Maltael, c'est vraiment... Bah c'était plus un ange après, non. Enfin, c'est... Maltael, c'est vraiment... Maltael, c'était vraiment le... Je sais pas, déchu, ouais. C'est... Maltael, c'est celui de Reaper of Soul, et ouais, il tue beaucoup, beaucoup de gens, clairement. Mais c'était quoi ses motivations, déjà, à Maltael? Pourquoi il avait voulu faire ça? Il était juste pas content? Il était juste fuck les humains. Je sais plus ce que c'était son plan. Enfin, il l'explique, hein, dans Reaper of Soul, mais je sais plus ce que c'était le bail. De toute façon, ils sont capricieux, les anges et tout. Hein. Il avait besoin de farm pour level up. La frustration. Ouais, mais il est frustré de quoi, déjà? Concrètement. Faut avoir joué aux anciens jeux pour comprendre le scénario du 4. Oui et non, en vrai. Et merci beaucoup, Freddy. Comment ça va? Coucou. J'avais pas vu. En vrai, oui et non. Enfin, vraiment. Si tu commences par le 4... Tu seras pas non plus perdu, mais le lore est vraiment cool et vraiment vaste. Donc c'est sûr que c'est mieux de les faire tous, tu vois. Ou au moins de te renseigner sur le lore des jeux précédents si t'as pas envie de les faire. Mais tu peux commencer par le 4, je pense que tu seras pas non plus totalement perdu. Tu verras ça comme, ouais, tu sais qu'il s'est passé ça, même si t'as pas vécu dans les jeux, et voilà. Donc ouais, tu peux, mais si tu t'intéresses au lore, t'auras très envie de... Tu vas me barrer ? T'auras très envie de découvrir le pourquoi du comment, quoi. Coucou Freddy, comment ça va? Coucou Raikin, comment ça va? Merci beaucoup pour le 15e mois. Merci beaucoup. Ça faisait un moment que j'avais pas pu passer. Welcome back. Ça dit quoi? Y a pas beaucoup de lore avant le 2. Bah c'est vrai que le lore du 1 et du 2, il se résume en quelques lignes, en vrai. C'est assez... Je trouve que ça se complexifie pas mal au 3, ouais. Le 1 et le 2, c'est si en quelques lignes de résumé, t'as à peu près... Enfin, à peu près ce que tu veux, quoi. Je nous envoie un peu de pluie. Si je pouvais partager avec vous, je le ferais. Hein. En vrai, j'aimerais bien voir le reste du jeu. Parce qu'en connaissant le lore de Diablo, j'ai du mal à voir Lilith comme la méchante. Mais vraiment, hein. Moi, Lilith, je l'aime. Pour moi, elle est... Je la comprends, Lilith, hein. Franchement, je me mets grave à sa place. Et j'ai plus de haine pour Inarius que pour Lilith, hein. Ah, vraiment. Par contre, pourquoi je peux pas me TP? Faut que j'aille où, là? Parler à Nerel. Elle est où? Faut vraiment que je reparte à pied, là? Je sais pas pourquoi je peux pas me TP à l'entrée. Où est Emerald King? Comment ça va? Oui, oui, si jamais vous avez pas envie de faire les premiers jeux, mais que vous avez envie de vous renseigner sur le lore, y a des wikis, y a plein de vidéos YouTube qui vous résumeront le lore et tout. Je crois qu'il y a Precia qui s'est pas mal... qui a fait pas mal de trucs sur le lore de Diablo et tout, donc... Vous avez clairement de quoi faire si vous avez pas envie de faire les jeux mais que vous voulez le lore. Après, les jeux, ils sont cool. Hein. Pour les avoir faits, bah, j'ai fait le 2 et le 3, j'ai juste pas fait le 1. Ils sont coolos et ça se fait... Si vous faites juste la campagne, c'est à peine une vingtaine d'heures, c'est pas très long. Résumé du lore des précédents jeux sur le site officiel qui se lit en 15-20 minutes. Ouais, voilà.
Après, t'as les résumés, mais clairement, si tu veux approfondir, il y a vraiment un lore infini, quoi. Il y a les wikis ou il y a Nuna aussi. Mais ouais, c'est ça qui est bien, tu vois. Tu peux avoir les grandes lignes assez rapidement, mais si tu veux approfondir, il y a un lore super vaste, c'est incroyable. La motivation de base de Maltael est simple. Les seigneurs des enfers ne sont plus une menace. Et les démons primordiaux ont été défaits. Les humains sont les descendants des anges et des démons et sont désormais la seule grande puissance démoniaque qui subsiste. Si Maltael peut rapidement s'en défaire, l'éternel conflit pourrait se terminer. Et les anges seraient victorieux. Ouais, ils veulent la domination des anges, quoi. Imperius voulait éradiquer l'humanité. Maltael soutenait le projet. Bah, y a que Tyrael qui a défendu l'humanité, ouais. Il a été puni. Diablo s'est échappé de la pierre d'âme et a foutu le sbeul. Imperius, du coup, s'est dit « Cool, ça va dans le sens de mon projet. » Et en fait, il a relativisé de fou en voyant Diablo atteindre le royaume des cieux. Mais c'est ça! C'est vraiment des sales merdes! Genre, vraiment, quand Diablo, il a commencé à fumer les humains, les anges, ils se sont dit « Let's go !» Et quand ils ont capté que Diablo, en fait, il voulait fumer le royaume des cieux et tout, ils se sont dit « Oh, shit !» Peut-être ça nous concerne, en fait. Vraiment des sales merdes. En mode « Oupsie, on est dans la merde, on va peut-être vite fait... faire quelque chose du coup finalement. » Alors qu'au début ils étaient en mode pas lu, ça ne nous concerne pas. Maltael a rien soutenu, il s'est juste tu. Il y a l'histoire de Horadrim aussi. Bah, il y a trop de trucs, ouais. Elle veut quand même asservir tous les humains, Lilith. Oui, mais est-ce qu'on dirait non? Franchement, Lilith, elle vient, elle dit qu'elle veut m'asservir. Je dis oui, maman. Enfin, elle aurait pas besoin de bien me forcer, hein. Honnêtement, hein. Moi, j'irais de mon plein gré, hein. À l'époque, j'ai tellement joué au premier jeu, j'ai dû changer plusieurs fois de souris à boules. Oh, les souris à boules. Oh, j'adorais. Ça manque, les souris à boules. Mon fardeau est trop grand. C'était trop bien. Enfin, le lore de Zinzin, purée. Le lore de Diablo a l'air d'être du basique ange versus démon avec les humains au milieu quand même. Bah c'est clairement ça, hein, pour le coup. Genre, le principal du lore, c'est vraiment, ouais, les anges, les démons. Il y a un ange et un démon qui ont fricoté, ça a créé les humains. Et du coup, les humains, c'est un peu des erreurs, quoi. Et du coup, bah, personne les aime, au final. On se retrouve vraiment au milieu comme des petites merdouilles. Petite erreur de parcours, là, ils ont pop, les humains. C'est chiant, dommage, quoi. Clairement ça. Hein. Lilith est quand même un personnage de charme, elle sert à la conscience des humains. Ah oui, hein. Mais moi, elle aurait pas besoin de... Elle aurait pas besoin de bien forcer. Hein. Même sans user de ses pouvoirs de manipulation. Tu raclais le tapis de souris H24 avec les souris à boules. J'aimais trop quand tu sortais la boule et tu la nettoyais et tu pensais ta souris, elle allait mieux marcher, genre. Dans mes veines, vraiment. Mais pourquoi je peux pas me TP par contre? Je veux piquer un câble. D'habitude on peut TP à l'entrée des... Après c'est pas vraiment un donjon peut-être. On est des enfants non désirés. On est totalement des enfants non désirés. C'est vraiment ça. Lilith va servir les humains et ça reste leur daronne. Ouais voilà, c'est juste une maman autoritaire Lilith finalement. En vrai. Je peux pas accéder au TP? Ah oui oui tu peux totalement. Je sais pas pourquoi j'ai pas... Bah après maintenant c'est trop tard, je suis arrivée à pied. Mais du coup ouais. Dans le jeu, dans le jeu. T'es... Ouais mais je voulais juste aller à l'entrée. T'sais. Pas aller en ville. À l'entrée. Parce que T'es ça me fait aller Ça me fait aller en ville non? Moi là je voulais juste aller à l'entrée du donjon. Nerelle elle est à l'entrée je crois. Après quoique, pourquoi j'ai plus le point? Nerel, t'es où ma sœurette? Ah si. Apex? Non, c'est Diablo 4. J'en ai plus beaucoup d'essence. Il me faut plus de temps. Ah, j'aime pas les gousi-gousi des petits invocateurs là. Mon fardeau est trop grand. Mon fardeau est trop grand, toujours.
Appuie sur quitter le donjon, mais c'est où que tu vois quitter le donjon? Y'a pas? Dans les émotes, je crois qu'il y a sortir du donjon. Ouais, non, c'est peut-être avec la mission, j'en sais rien. Dans la route émote. Bah, maintenant, je suis arrivée à pied, du coup. Mais la prochaine fois, je vérifierai. Et ça, eux, bah, j'essaierai la prochaine fois, du coup. Bah non, eux, c'est un de mes spells, je les ai rebind. Mais attendez, mais c'est, je suis où? Attendez, mais elle est vraiment retournée en ville, en fait? Putain, mais elle est juste totalement... Mais elle est où? Pourquoi elle est à Perpète, là? Mais ouais, en fait, elle est... C'est pas... Elle est pas à la sortie du donjon, elle est partie, en fait. Nerelle, t'es partie où, connasse? Ah, mais elle est peut-être partie, Elle est peut-être partie enterrer sa mère. Ouais, j'aurais exactement cette vidéo. Dans tous les cas, j'aurais pu revenir en ville parce qu'elle est pas du tout devant le donjon, finalement. Let's go. Bon, bah, au moins, maintenant, on est dehors, écoutez. Tout va bien. Ah, au secours. Au moins, on a pu faire un petit point lore en marchant pendant qu'il n'y avait pas d'ennemis et tout, donc c'est pas plus mal. Je suis pas encore. C'est fine en vrai. Ça n'a pas été vain. Ah, c'est mes squelettes. Putain, mais mon ulti de squelette, il pop un peu partout, c'est trop drôle. Il y en a qui sont déjà si loin. De toute façon, j'avais pas pigé la blague. De quoi, la blague était facile. Je suis à voir plus d'une fois, du coup, maintenant je réfléchis plus. Bah, la prochaine fois, je ferai gaffe, ouais. J'ai raté la blague, elle est où? Lilith, mère autoritaire, mère juive. Il faut vraiment que je fasse un petit point sur mes sorts. Hein. Parce que là, mes sorts sont nuls à chier. La fosse est dommage parce que j'aime beaucoup l'animation. Mais ouais, la hitbox, elle est claquée, j'ai l'impression. C'est terrible. J'aime trop mes petits squelettes qui explosent partout. Vigo voulait que je vous donne ceci. Oh, Vigo, j'avais presque oublié. Vigo voulait que vous ayez ceci. Vigo, il m'a brisé le cœur là, hein. C'était horrible. C'était un homme bien. Bah ouais, il méritait pas d'être dans une vierge de fer chevalier là. Il était là. Vous l'avez vu? Mais en plus, il bougeait, donc ça devait... Ah, j'imagine. Comment il faisait même? Lilith a pris une clé des enfers sur le corps de Ratma. Alors tout cela fut en vain. Elle est la seule à avoir obtenu ce qu'elle voulait. Oh bah c'était sûr, hein. Ah oui, elle a enterré sa mère, là. Elle était venue en quête du Horadrim légendaire. En quête d'espoir. Elle ne trouva ni l'un ni l'autre. Mais son rôle était loin d'être terminé. En vérité, nous aurions besoin d'elle bien plus qu'elle n'aurait besoin de nous. Mais à l'époque, personne ne l'aurait imaginé. Inarius s'était avéré aussi peu fiable que je le craignais. Bah oui, évidemment. Son égocentrisme l'avait conduit à tuer son fils Ratma. Et c'est sur son cadavre que Lilith avait récupéré une clé des enfers. Où comptait-elle l'utiliser? Mais c'est vraiment le méchant Inarius, hein. Regardez, il a tué leur fils. Pour le découvrir. Lilith, elle, ça se voit, elle était un peu triste que Ratma soit décédé, hein. Alors que Inarius, ça se voit, il assume pas. Il assume pas d'avoir fait des bébés avec Lilith, là, et... Et il veut réparer ses bêtises en tuant tout le monde, quoi. Quelle sale merde. Les pics étaient rentrés dans sa chair pour mettre à la mort... Bah oui, justement. C'est ce que je dis, c'est horrible. Comment il faisait pour bouger, alors que à chaque mouvement, du coup, les pics étaient dans lui, et... C'est ignoble. Ouais, j'aurais pas réussi à faire un pas non plus, c'est horrible.
La voix de Nerel, j'ai déjà entendu quelque part. Bah, moi aussi, elle m'est familière, mais je saurais pas du tout dire d'où. Faut pas s'attacher au perso secondaire, je te jure. Et ouais, c'est ça, Steak Tartare. Du coup, là, ça faisait vraiment... Enfin, Inarius et Lilith, ça fait vraiment le vieux couple et tout, là. C'est terrible. Et franchement, moi, je suis du côté de Lilith, hein. Clairement, du côté de Lilith, hein. La puissance du martyr, c'est terrible. Faut que je fasse quoi, maintenant? Eh, on a plus de quête d'acte 1? Attendez, il est fini, l'acte 1, ou pas? Vu que c'est moins linéaire que les autres Diablo, je sais jamais trop où on en est. Vu qu'il y a les quêtes des différents actes. Acte 2, trouver Donan. Lorath m'a demandé de me rendre à Skull's Glen pour y trouver Loradrim, connue sous le nom de Donan. Je dois lui parler de Lilith et du danger qu'elle représente. C'est, j'ai, bah là, de toute façon, j'ai plus de quête d'acte 1, donc c'est fini, non? Je crois que la voix de Nerel est celle de... Je connais pas. Attendez, il y a Gimli qui veut déjà sortir. Oui, Gimli. Oui. Vas-y. Là, je commence déjà à avoir la dalle, par contre. C'est terrible. C'est terrible. Alors. Donc ouais, faut qu'on passe à l'acte 2, là. J'ai plus trop de quêtes secondaires dans la zone, à part ça, de toute façon. Le groupe doit conquérir ce Simalnok. Ah, donc tu peux y faire à plusieurs. Non? Le groupe. C'est le genre de quête que tu peux faire à plusieurs, ça, ou pas? La VF de Diva et Siri. Ah bah oui! Ah bah en effet, tu m'étonnes qu'elle est familière. Pétard, et coucou Igorial, comment ça va? Ouais, tu peux... Ah, mais il faudra clairement qu'on y fasse à plusieurs, purée. Vu qu'on était plusieurs à en chier sur ce genre de truc. Faudra qu'on y fasse à plusieurs. Une visite inopinée. On dirait le début du Hobbit. On va peut-être pas y aller à pied, c'est un peu loin. Je vais peut-être passer... Ah, attendez, on a peut-être d'autres trucs à faire, non? Attendez, on va checker la visite vite fait. Soulja, j'ai fait ça à plusieurs. Ouais, les trucs super durs, comme ça tu peux y faire à plusieurs, ça peut être sympa. Enfin, super dur. En vrai, ça se fait, mais... T'en chies un peu, quoi. Salut. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais... On va aller là, vite fait. Je me sens toute frêle à côté des druides, là. Mon perso, on dirait, il... Bon, on dirait, il est décédé. Pardon, monsieur. Je ne ferai pas ça en ville. Alors... Est-ce que je... Attends, hop. Pourquoi il grogne? On se calme, déjà? Elles font quoi, mes bagues, là? Dégâts critiques, dégâts physiques. Résistance foudre, poison. Je sais pas si... Oh! Accablement. Bon, puis on va mettre ça. Oh, mais c'est mieux que mon légendaire. Comment ça? Mais mon légendaire, il était... je l'ai eu trop tôt. C'est nul, le légendaire que t'as trop tôt. Elle fait la voix d'Akali aussi, mais OMG. Ah ouais, mais la doubleuse de fou. C'était le but, non? De quoi? J'ai hâte de voir faire les boss mondiaux aussi, j'avoue. Faudrait qu'on fasse ça. Faudrait qu'on fasse clairement ça. Après, il y a quand même un plus 5 à toutes les caractéristiques. Et 8%, ouais. C'est pas forcément mieux. Bah, en l'occurrence, là, il y a les stats. Enfin, genre... tu compares les stats, quoi. Qu'elle a l'air décédée. Ah oui, bah totalement, oui. Après, ouais, il y a le plus 5 à toutes les caractéristiques qui est pas deg. Les petites bottines. Plus une charge d'esquive max?
Ça fait que t'as un... Il me faut plus de temps. Attendez. Je peux en stacker deux ? Un. Ah ouais ! Oh, c'est trop bien ! Eh, hey, ça c'est cool en vrai. T'as moins les stats que tu veux. Le plus quoi ? Oui, bah je me doute bien, oui. Ta-ta-ta. Oh, la musique elle est apaisante. J'aime trop. 5% j'ai récupéré 5% pour son mensuel. Eh mais attendez. Vous avez jusqu'à 5% de chance de récupérer 5% de votre ressource principale. Ah ouais mais 5% je sais pas si c'est énorme. Oh. Résistance, poison, dextérité. Mais... Ça va recycler. Oh, c'est stylé par contre ça. Je vais bien prendre l'apparence de ça. Ça, c'est un bon recyclage. Merci monsieur. C'est bien aimable de votre part, vraiment. On va déjà tège ça. Vous pouvez prendre ce qu'il reste. Ah, est-ce que ça va? Ah oui, ça c'est que je l'avais amélioré. Ouais, t'es chiant. Bisous. Cocher un point avancé. Pourquoi y a pas tout qui est affiché de base? Est-ce qu'on a des nouveaux looks là pour être BG? Nope, ah, c'est un peu con. Ah, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ça. Ah non. Je préfère être à moitié nu. Et ça, c'est là qu'on a un autre truc. Oh. Oh, j'aime bien. Ah, et puis il y a lui aussi. Oh. Ça, ça va plus avec. Mais ça, il y a un petit flow. Ça, ça va avec. Non, merde. Regardez. La boutique, on s'en fout. Let's go. Mais donc, putain, va falloir qu'on parte à perpète, là, encore. C'est où mes compétences, déjà? Merde, parce que je voulais faire. Vu que j'ai rebind... Ah, salut! Ça t'affiche la plage dans laquelle peuvent être les stats sur l'item. Ah, bah, bah. Franchement, le truc de sang, je sais pas si j'aime tant que ça. J'en sais rien, en vrai. Je sais pas du tout dans quoi me spécialiser, pour l'instant c'est tellement YOLO. Mais bon, à un moment donné, on est bientôt au niveau 30, faudra quand même qu'on se décide quoi. C'est chiant quoi. Déjà on met quoi à la place de la faux? Au pire, faudrait juste qu'on trouve au moins, j'ai envie d'éternuer. Qu'on trouve juste quelle compétence mettre à la place de la faux parce qu'elle est trop nulle. Pardon. La faux, ouais je sais pas, c'est la hitbox, elle est trop petite. On peut peut-être faire des trucs avec les cadavres, c'est un peu drôle. Des veines jaillissent d'un cadavre, attirant les adversaires, les étourdissant, et leur influence en point de dégâts. Oh. Ah, c'est rigolo ça, non? J'aime bien. J'aime bien, on va essayer ça, ça a l'air drôle. À la place de la faux, ça peut être fun. Surtout si ça stun et que ça fait des dégâts. Pourquoi pas? Ça se trouve c'est nul, hein. On saura pas sans essayer. Merde. Hop, on va partir là-bas. En gros, si t'as un plus 6 dégâts, ça va t'afficher 10-30. Ah, ok, 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 j'ai compris. Ouais, comme ça, tu sais si t'as pas eu de chance. Ou si t'as le cul bordé de nouilles. Je vois. Alors, du coup, là, on est sûr qu'on a fini l'acte 1. Il y a toujours un relais que j'ai pas. Et les bastions, je les ai pas faits. Oh! Mais je te dérange. Attendez, du coup, ça. Ouah! J'aime bien le style, en tout cas. Parce que oui, c'est important, le style des compétences, clairement.
Clairement, si une compétence est moche, à quoi bon? Faudrait qu'il y ait plus d'ennemis pour que je puisse les tester mieux. Là, ça rend pas grand chose. J'ai pas vu si elle coûtait cher en mana aussi. Le style avant les stats, toujours. Enfin, il y a un juste équilibre quoi, mais c'est important. Il me faut plus de temps. Ah ouais, ça les a tous attirés, tous stun, mais c'est insane. Trop stylé en vrai. Bon après, je sais pas si ça marche sur les boss, probablement pas. Mais au moins c'est stylé. Ah ouais, regardez comment ça les a rameutés là, Zwick. Oh, j'adore. Trop drôle. Un coup de main pour tes passions. T'inquiète, je les fais pas tout de suite. C'est pas... De toute façon, c'est pas urgent au pire, mais... Mais au pire, c'est... Je pense que ce serait pour ça que non, ça pourrait être marrant peut-être. D'ailleurs, j'ai fait un salon Diablo sur le Discord, si jamais... Si jamais vous voulez... Vous groupir et tout en attendant qu'on fasse le clan soon. Il y a un petit salon Diablo si vous cherchez des gens pour jouer sur Discord. Mais ouais, j'avoue que le petit clan pour ça, ça pourrait être fun. Ça peut être plus sympa de faire à plusieurs genres de trucs. En même temps, c'est un peu le but quand même. Enfin, le jeu, il est quand même en multi. Et puis tous les giga boss et tout, ça a l'air trop stylé par contre. Les boss de monde et tout là. Où est-ce qu'on est au fait là? Sale météo ici. Vous avez atteint votre destination. Bonsoir. Que la lumière vous bénisse. Si vous avez une Merci. Requête, présentez-vous au commandant. Oh, il va y avoir des nouvelles quêtes secondaires. Les quêtes secondaires, n'empêche, elles sont sympas. J'avais peur que ce soit des quêtes. Eh ben. Mais c'est... ce qui est bien, c'est que chaque ville... Tu te dis, ça peut pas être plus glauque que ça, et à chaque fois, ils arrivent à faire mieux, hein. C'est pire que Margrave, là. Là, ça sent pas le brûlé, ça sent le pourri et le pendu. Je jure de ne plus jamais invoquer le nom du père Inarius en vain. Faites-moi sortir de là. Il est enfermé juste parce qu'il a... Je vous en prie. Hein? Il a invoqué le nom du père Inarius, mais ça pour Inarius en plus. Bleh. Commandante Antje. Je cherche un Oradrim nommé Donan. C'est une vieille connaissance qui m'envoie. À cette heure-ci, je parie qu'il est dans le donjon. Demandez aux gardes à la porte. Quel fun, hein, quel fun. Demandez à la porte. Ça roule. Ça me perturbe par contre, quand t'es dans une ville, je trouve que le jeu il est grave trop zoomé. Tu peux pas enjoy bien la ville, c'est trop zoomé, tu peux pas dézoomer plus. J'ai un message urgent pour Dolan. Il est à l'étage dans la grande salle avec son fils. Faites vite. Faites vite. Pourquoi tout le monde est si pressé et pas très... Une grosse ambiance dans cette ville. Ah, oh, waouh. Beau le tapis. Je veux le même dans mon salon. Après, il représente quoi? Je sais pas trop ce qu'il représente. Mais quoi, miaou? Il fait des miaou, on dirait. Il est en train de mourir, ce chat, tout le temps. C'est trop une drama queen. Pourquoi tant d'empressement? Je sais pas si vous l'entendez, mais... J'ai retrouvé quelques-uns de mes vieux écrits au Radric. Reste donc les lire avec moi. Je peux en prendre avec moi. Nous avons de la visite. C'est moi. Genre, il fait des... On dirait qu'il meurt, là. Conversation plus tard. Il me fatigue, ce chat. Vous avez besoin de quelque chose? J'apporte un message de Lorat. Wow. Voilà un nom tout droit sorti d'une autre vie. Tiens donc, le vieillard est-il enfin descendu de sa montagne? Avec un avertissement. Un mal ancien rôde. La démone, Lilith. Et comment savez-vous cela? Vous avez découvert quelque chose d'intéressant avec Lorat? C'est peut-être lié à ce que tu as vu, père. Oui. Est-ce qu'il a vu? Y venir. Un incident s'est produit
sur mon domaine. Un incident, il a l'air bizarre, lui. Mais mieux vaut en discuter sur place. Allez donc voir par vous-même. Je vous rejoindrai et nous parlerons davantage. C'est fou comment t'as pas une seconde Quant de répit dans ce jeu. Je te demande. Tout est... Va à Brestag et sois prudent. Reste près des chevaliers de la pénitence. Ouais, il va mourir, quoi. Ne t'en fais pas. Ouais, t'en fais pas. Ok, sois prudent, t'en fais pas, fais attention. Sol ongle, fils. j'apporte des tristes nouvelles. Non, déjà, quels sont vos rapports avec Lorat ? Nous nous sommes peu vus ces dernières années, mais nous nous connaissons de longue date. Nous sommes des frères Oradric. À présent, je suis sans doute le seul qu'il puisse encore appeler ami. Vous avez certainement remarqué... Il s'en va d'un pas déterminé, le fils. Peu d'empathie. Pouvez-vous m'en dire plus sur cet incident ? Ça s'est produit l'autre jour, au beau milieu de la nuit. J'ai d'abord cru que c'était un cauchemar. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Laissez-moi finir quelques affaires ici et... Nous continuerons notre discussion au domaine. Il me tease le truc en mode « J'ai cru que c'était un cauchemar, mais non. » J'apporte de tristes nouvelles des pics brisés. Ratma est mort. J'ai partagé la prophétie à Mais Ratma, il est forcément pas mort, non ? De véritable sens. Je n'avais jamais imaginé qu'elle le mènerait à tuer son propre fils. Et l'objet de ses recherches, cette clé des enfers... C'est le père de la nécromancie. Est-ce qu'il peut vraiment rester mort ? Elle en a sûrement besoin... Pour retrouver Astaroth. Astaroth. Genre, le ref, il a inventé la nécromancie, tu sais. Tu vas me dire, il avait pas un petit... Un petit stratagème pour rester vivant ou revenir d'une manière ou d'une autre. Franchement, s'il y a bien un boug qui peut revenir à la vie, c'est bien lui, non ? Ça me paraît... Je veux pas croire qu'il est mort. Il s'est peut-être nécromancé lui-même. Bah ouais, on est d'accord. Enfin, le boug, il a inventé le fait de revenir à la vie, limite, quoi. Genre, enfin, il peut pas mourir. J'y crois pas. Enfin, non, pour moi, s'il y a bien une personne capable de faire ça, ce serait lui. Et en plus, il avait l'air... Franchement, il a l'air stylé de se dire que c'est le fils d'Inarius et Lilith, le père de la nécromancie et tout. T'es en mode, il a trop de flow pour être déjà mort sans qu'on ait pu papoter avec lui autour d'un petit thé. Non, je veux pas y croire. Je veux pas qu'il soit mort. Je suis peut-être dans le déni, hein. Fort possible, mais je veux pas croire qu'il soit mort. En plus, il avait l'air d'avoir un petit flow. Je sais pas. J'aimais bien. Je suis un peu sad. Comme Lilith. Vraiment, team Lilith. Team Ratma. Fuck Inarius. Que la lumière vous accompagne. Inarius a activé la carte piège Norez. Vous n'auriez pas un petit quelque chose. Je me sime pour lui en plus. Mais same. En vrai, il avait l'air d'avoir un truc. Franchement. Non, ouais, il y avait du potentiel, hein. Il y avait du potentiel de simp. Ah, une petite quête secondaire. Un gâchis de connaissances. Vous m'avez l'air troublé. Oh, c'est des druides ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes moins qu'avant, mais nous sommes toujours là. Tant que la forêt parle, celles et ceux qui l'écoutent demeureront. Qu'est-ce qu'elle vous raconte de beau, la forêt ? Regardez ça. Certains des écrits les plus anciens de mes ancêtres druidiques figuraient sur ces tablettes. Toutes détruites. Oh, c'est les bêtes sauvages des prairies de Gaotmar sont très agitées en ce moment. Elles ont tendance à briser nos tablettes runiques, voire à les manger. Mais en même temps, ils peuvent pas graver des trucs sur des trucs plus solides. Nous devons préserver notre histoire. Pourquoi leurs trucs les plus précieux, c'est juste un bout de bois ? S'il vous plaît, sauvez ce qui peut l'être. Faites un effort, les druides, en même temps. C'est censé être la classe pétée, pourtant ça a pas l'air d'être les couteaux les plus aiguisés du tiroir, hein. La préservation de votre histoire vous tient manifestement très à cœur. Ouais, bah gravez ça sur autre chose qu'un bout de bois. J'enseignais autrefois les anciennes coutumes à Yorin et à sa mère Brega, alors qu'elle écrivait ses chroniques. Je veux bien qu'ils aiment la nature, mais bon. Tous deux portaient un grand respect à notre culture. Tu mets Brega ça sur un gros caillou, ils vont pas le manger, hein. Quelques-uns de nos plus anciens artefacts. Ce faisant, elle m'a rappelé que le passé se perd trop facilement. À part s'il y a Bismarck qui arrive et qui crunch le sol. Le boug, il a pas su appuyer sur le bouton revive. Les druides et leur nature, là. En vrai, ouais, en plus, les druides, pourtant, je trouve ça stylé, mais ouais, ils ont pas l'air très affûtés. Hein. Je suis désolée, hein. Putain, mais lâchez ma veste. Imslow, quel enfer.
Bah ouais, je suis bien contente d'avoir pris Nécro finalement. Manoir bout de feu. Ah. Pardon, ça, on peut pas avoir la météo du jeu IRL, il fait que pleuvoir. C'est un truc de fou. Et elle est où la quête secondaire? Ah, c'est là, récupérer des tablettes runiques. Bon, de toute façon, on va les prendre au passage, hein. C'est la meilleure strat. Bof, hein, le Mog, il avait bien réussi à perdre sa peinture sur un caillou. C'est vrai. Bah, faut le faire sur un mur d'une grotte, t'sais, à l'ancienne. C'est beau la pluie. Ouais, en plus, tout est brillant, c'est trop beau. De feu, voyageur. Bout de feu. Je suis ici au sujet de l'incident. Donan m'a autorisé à examiner les environs. Un incident? C'est tout ce qu'il a dit. Ouais, il a teasé le truc, je sais toujours pas ce que c'est l'incident. Quelque chose d'inquiétant s'y est produit. Mais arrêtez de me teaser le truc! Comment ça, quelque chose d'inquiétant? Crachez le morceau, putain! Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose d'inquiétant s'est produit. Accouche! Il s'est passé quoi? On dirait c'est... Faut pas prononcer le nom. Oh! Ah. Oh, c'est trop beau les transitions quand... Ah, comme ça, nickel, on va le voir directement. Ça va être un truc éclaté. Non, je pense pas. S'il y a les pétales de Lilith et tout, là... Oh. Yes. Oh! Waouh! On dirait c'est le Tardis. Oh! Non. C'est impossible. Je sais qui vous êtes. Maman! Et je vous connais. Donan. Vieux et fatigué, vous peinez chaque jour à maintenir l'éclat de votre passé. Oh là là. Qu'est-ce que vous me voulez? Astaroth. Il est mort. Astaroth ne peut pas mourir. Pas de votre main. Que lui avez-vous fait? Partez, démon. Il parle d'un incident, mais moi j'aurais bien aimé être à sa place, vous là. Vous êtes hein. Devenu si fragile. Je peux faire de vous le héros que vous étiez. Retournez dans les ténèbres qui vous ont vu naître. Je vous dis de partir. Ouais, il a de la volonté, le bougre, par contre, pour s'être... Pour avoir résisté à sa manipulation et tout, quand même. Hein. Tout le monde succombe hyper facilement, t'as l'impression. Je sais pas comment il... Comment il a fait. Il est fort, le bougre. Une corne de Goza. Ah, j'ai eu peur pour de vrai. J-Bep. Et lui, il y va. J'avoue que par contre, il y a littéralement une porte démoniaque avec au fond une lueur rouge qui apparaît dans ton salon, là. Et t'es en mode, ça peut bien être. Et si j'allais dedans? Il est un peu à l'aise, hein. Le bug était un peu à l'aise, quand même. Y'a pas des trucs, là? C'est quoi, ça? Manuscrit inachevé. Une pile de papier portant le titre « La chute d'Astaroth ». Cela semble être une chronique non terminée du combat de Donan contre le démon. De nombreuses lignes ont été raturées et réécrites. Ah, il en est pas à son coup d'essai d'affronter un démon, le bougre. Ok. Ok. Tu mets cette image en fond d'écran. Mais ouais, on est d'accord que le plan sur Lilith avec la lumière rouge derrière elle, là... La température s'est rafraîchie chez moi, mais là, ça a remonté d'un coup, hein. Et coucou, Mick, comment ça va? Et pourquoi il y a eu une corde de brume qui a retenti, là? Il y a une dinguerie qui se passe dehors pendant que j'étais en train de... Pendant que j'étais en train de checker, il s'est passé une dinguerie dehors. C'est des cadavres, ça? Mais... Bah comment ça? Plan du sang, mais qui êtes-vous?
Mais enfin. Bah super, bah tout le monde est en train de crever du coup. Non mais je m'absente 3 minutes et c'est l'apocalypse là, donc c'est ça. C'est ça le plan. Non mais. On n'a pas une. Quand je vous dis qu'on n'a pas une seconde de répit dans ce jeu, c'est quelque chose quand même. Je descends à la cave et c'est fini, c'est l'apocalypse. Faut arrêter enfin. Oh là! Mais attendez, ils sont tout seuls là ou je suis. Ou je bigle. What the fuck? Il me faut plus de temps. Putain, mais toutes mes compétences, elles sont un peu plus de CD du coup, par contre. Ah ouais, ça marche pas sur le boss. Ah c'est ça là. Attendez. Ça la stun. Ah si ça... Après c'est pas un boss, c'est juste un truc élite. Ah mais bon, à savoir qu'au moins ça marche même sur... Je pensais que ça marcherait vraiment que sur les petits trash mobs. Ça marche quand même sur eux. C'est déjà pas mal. Où je trouve cette image, du coup, je te jure. Ça va, la température du stream a dépassé les 50 degrés, je te jure. Les Umbook. Jamais ils ne s'étaient autant approchés du domaine. Ah ouais, ils sont pas juste approchés, ils sont rentrés. Ils ont peut-être été attirés par la présence de Lilith. J'ai eu une vision d'elle dans votre étude. Comment ça, une vision? Je ne comprends pas comment c'est possible, mais... Ce n'est pas la première fois. N'empêche, on a un lien particulier avec Lilith. Pleine de surprise. Pas étonnant que Laura s'intéresse à vous. Eh bien... J'ai hâte qu'on puisse papoter avec elle. Vous comprenez mieux ma situation à présent. La fille de la haine sous mon propre toit. Elle doit être furieuse que je l'ai chassée. Qui sont les autres personnes représentées? Ouais, elle avait l'air énervée par contre. Sur votre mur. Pourquoi cette question? Lilith semble être pourquoi partie après mystère les avoir vues. Naphein et Erida. Les druides qui m'ont aidé à terrasser Astaroth. Oui. Oui, je crois que vous tenez quelque chose. Je lui ai résisté. Alors elle compte peut-être les interroger sur le démon à leur tour. Oh shit, donc ils sont peut-être en danger sont là. Ils étaient dans les villages près des druides. Si Lilith est passée, ils l'ont forcément vue. Il y a des choix à faire pour avoir différentes fins ou c'est linéaire? C'est linéaire normalement. Le 4, je sais pas s'ils ont changé quelque chose, mais je pense que c'est linéaire. Mais c'est vrai que ce serait très bien qu'on ait le choix de. De succomber à Lilith ou pas, parce que je le ferai. Mais normalement, c'est linéaire. Il y a une petite quête secondaire. L'attaque du manoir a fait de nombreux blessés. Je commence à avoir faim, par contre. Nous sommes presque à court de soins. Pourriez-vous aller à Kirigar pour demander à Corman l'alchimiste d'envoyer tout ce qu'il peut? Et dites-lui de se dépêcher, chaque instant compte. Ah, ça dit, mon thermomètre, j'ai l'impression qu'il est cassé. Ça dit qu'il fait toujours 28 degrés dans ma chambre. C'est nimp, non? Ok, déjà, on peut peut-être aller là. On a une quête secondaire qui est juste là. Et puis, la suite de notre quête, elle va où? Chercher des traces de Lilith. Chercher... Ok. Nature sauvage ou envahissante. Interroger les chevaliers. Ouais, là, c'est qu'il y en a deux. L'acte 2, ouais, c'est on interroge lequel on veut en premier. Bon, on va partir par là, comme ça on fait les quêtes secondaires sur le chemin, c'est pas mal. Quelle heure il est? Pourquoi j'ai déjà faim? 14h. Ah ouais, ça se tient. Ça se tient. On va les retrouver morts, les deux autres druides. Donc c'est sur des animaux qu'on trouve les tablettes? Pas des animaux, genre pas des squelettes. Où que c'est? Là, je suis en plein dans la zone. Des animaux, ça? Je suis pas encore prête. Je n'ai plus beaucoup d'essence.
C'est où les animaux? Ah, c'est quoi ce petit bouillon là? Ah, bah dites. Eww. Oh, pardon. Je ne suis pas encore prêt. Mais il n'y a pas d'animaux ici. C'est bien mignon, mais... Ah, mais en plus, il a une range de bâtard, mon truc, là. J'aime trop le petit bruit, on dirait tu les... Mon truc, là, les veines qui attrapent les gens et qui les étourdissent. Vous trouvez pas, on dirait un lasso? Tu les lassotes et zwip. Ça me fait trop rire. Il tape quoi lui? J'aime trop ce spell aussi, on dirait il pleut des cadavres un peu. Bon, pourquoi je vois pas d'animaux? Vous me dites pas qu'il faudrait tuer genre des petits lapins? Bah non, c'est pas des lapins qu'on mange là. La tablette. Ça me paraît bizarre quand même. Il me faut plus de temps. Waouh, comme on les a paqués, on les a explosés. J'adore. Toujours dans la zone là? C'est peut-être ceux qui sont marqués en rouge du coup. Voie sauvage, ça doit être ça. Ça a l'air plus cohérent ça. Ah si, l'histoire, let's go. Tablette runique. Let's go, on a. Ça doit être satisfaisant ce hack and slash. Ça l'est. Je n'ai plus beaucoup d'essence. Zoom, zoom, zoom. J'aime trop, ça fait mal en plus. Zwip. Vraiment, mes sorts, ils sont hyper satisfaisants, c'est trop drôle. J'adore. J'ai pas beaucoup de dégâts encore, vu que je suis vraiment archi pas au petit ni rien, mais mes sorts, ils sont rigolos. En tout cas, je m'amuse bien. Et c'est tout ce qui compte. C'est pas satisfaisant de tout ça. Je ne suis pas encore prête. Niveau 30, let's go. Amélioration de la potion, c'est vrai. Je crois que je l'ai même pas amélioré la dernière fois déjà. Tout à fait, Azel. Je ne suis pas encore prête. Quoi ça? Casier à viande. Casier à viande, il va y avoir une dinguerie. Tu joues à RE6? Non, j'ai jamais joué. On sait pas, les marmottes sont bien des tablettes de chocolat, presque la parce que des tablettes uniques. Les marmottes? Hein? Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai plus beaucoup d'essence.
Oh, j'aime pas quand il me pince comme ça. Terminé, casier à viande. Merci pour ça. Et dans le casier à viande, j'ai trouvé des pantoufles. C'est super. C'est super. Ah, j'ai eu des points de compétences à mettre. Mais en vrai, ça faudrait un peu que je regarde hors live les compétences. Parce que j'avoue que il y a beaucoup de trucs à lire et à comparer. Tu sais, faut réfléchir un peu. Et du coup, c'est un peu... c'est un peu long, quoi. Du coup, j'ai pas envie... j'ai pas envie d'être comme ça devant l'écran en train de lire pendant 10 minutes, c'est un peu chiant pour le live. Donc hors live, il faudrait que je check vite fait de prendre le temps de bien lire et de bien regarder chaque compétence. Parce que l'arbre en même temps il est un peu grand. Comme ça en vrai ça serait pas mal. J'ai pas trouvé la dernière tablette encore où qu'elle est. Ah voilà, let's go. La pub Milka avec la marmotte. Oh, j'ai pas la ref. J'ai grave pas la ref. Elle date cette pub. Rapporter les écrits. Oh, let's go. Il y a plus rien à faire par là. Les années 2000, ouais ça date. Ça se trouve je l'ai déjà vu, je m'en rappelle pas aussi. 2000, ah oui. Ouais, à cette époque-là, je regardais Disney Channel, quoi, donc c'était peut-être pas les mêmes pubs. J'ai récupéré certains livres. Incroyable. Vous en avez trouvé un. Les travaux de maîtresse Brega. Je les croyais perdus depuis l'attaque. C'était un vrai puits de science, vous savez. Là, c'était merci vraiment expédition livre et il tablette. Il ne reste plus grand-chose de son héritage. Mais ceci ne manquera pas de démontrer tout le bien que cette famille a apporté à Skos Glen. Et ça va être longtemps que je l'ai platé, ça date, ouais, tu m'étonnes. La marmotte met le chocolat dans le visage. D'accord. Bah, je regarderai sur internet la marmotte. Ça serait un pouvoir d'âge deux fois, du coup. Quand j'aurai plus l'item, ça va me manquer. Mais ouais, du coup, hors live, il faudrait que je prenne le temps de bien checker mes stuff, mes compétences, machin et tout, là. Parce que c'est clairement pas en live que je vais réussir à m'opti. Moi, je suis pas concentrée en live, en plus. Lire des trucs trop longs et tout, en live, je trouve ça... En plus, je trouve ça chiant, genre, on va pas faire un live où juste je suis comme ça, en mode... Merci. Hop, les tablettes. Elles contiennent nombre de leçons, prières et savoirs transmis depuis Fiac Laguéar en personne. Fiac. La vie est une interminable leçon. Il reste tant de j'ai choses. J'ai juste entendu Fiac, je suis désolée. J'ai 8 ans et demi. Parler à l'alchimiste. C'est pour quelle quête ça déjà? Désolée. Vraiment, il a dit Fiac. Fiac. Oh là là. Si ça peut te rassurer, j'ai entendu Fiac aussi. On est d'accord qu'il a vraiment insisté sur Fiac. Quand même. Transmettez la demande de Wilfred à Corman l'alchimiste. Ouais, c'est sur le chemin de toute façon, on va aller comme ça, on va aller là-bas après. Merde. Il a fait une pause après. Non mais oui, on est d'accord, c'est pas moi. Hein. C'est certainement pas moi qui ai juste entendu ça. Il a cherché. Putain, je suis bien avec mon petit crâne dans la main, n'empêche. Ça va grave bien avec ma tenue et tout. Hein. Ouais, les cheveux qui brillent avec la pluie là. C'est pas ton genre? Bah non. Clairement pas. Mais vraiment, pourquoi quand on fait rouler un cadavre, il se vide de son sang? Par contre, ça me termine. Juste, tu le pousses et puis il gicle partout. Enfin, voyons. Voyons. Ya! Yeah! Faut trop que je me retrouve une faux, putain. Faudra que j'échange toutes mes oboles pour essayer de choper une faux légendaire. J'avais trop marre d'avoir une épée. Les épées, c'est trop pour les losers. Il me faut vraiment une faux.
Ma vie n'est pas complète tant que j'ai pas une faux dans les mains. Est-ce qu'il pleut pas des fois dans ce pays, bordel? Oh, je suis dans une grande ville. Oh, c'est une grande ville. Let's go. Ah ouais, let's go. Du coup, il y a pas un... Ah non, ah si, j'allais dire oui. Du coup, il y a un vestiaire ici aussi, c'est cool. Ok, des petites quêtes secondaires. Déjà, on va parler à cette personne. Bonjour. Le régisseur Wilfred a désespérément besoin de matériel de soins. Le pauvre homme doit avoir fort à faire pour s'occuper de tant de blessés. Je vais rassembler tout ce dont je peux me passer et le lui envoyer immédiatement. Très gentil à vous, monsieur. Enfin, de votre part. Merci à vous. Hop, petite quête ici. Ah ! Oh, j'ai plein de petites boîtes. Gling, gling ! Ça aussi, c'est satisfaisant. Vraiment, le jeu, il y a trop de trucs satisfaisants. Il m'en faut peu après, mais bon. J'habite ici, dans les basses collines, mais sanctuaire est dangereux ces derniers temps. Et mes parents... Uniquement ces derniers temps, t'es sûr? Plus tout jeune. Qui protégera leur foyer? J'aimerais aller les voir, mais les routes sont périlleuses. Ouais. Pourriez-vous rendre visite à mon père, Phelan? C'est vrai que là, tu sors de chez toi, tout le monde, tu te fais schlack par un démon, ou tu te fais posséder ou quoi. Franchement, il y a quand même des univers où t'as pas envie de vivre. Hein. On va pas se mentir, il y a certains univers fictifs qui vendent du rêve, et où tu te dis, purée, j'aimerais bien vivre dans cet univers et tout. Mais l'univers de Diablo, vraiment pas, hein. Vraiment, vraiment pas. De toute façon, tous les univers Dark Fantasy, de manière générale, un peu, c'est... Même quand tu regardes The Witcher, il fait pas hyper bon vivre dans The Witcher, hein. Même s'il y a un peu de magie et tout, bah, ça vend pas du rêve, hein. Après, Geralt existe dans cet univers, donc forcément, ça, c'est un plus, mais... Dans le sanctuaire, il fait jamais beau, je te jure. Je pense que c'est une règle là-bas, ça n'existe pas le beau temps. Coucou Ponyo, comment ça va? Pour vous, c'est quoi le pire univers où vivre? Tout univers confondu, jeux vidéo, cinéma et tout. Parce que pourquoi il y en a beaucoup? Je dirais, il y a l'attaque des titans aussi et tout par exemple. Ça doit être sacrément de la merde de vivre là-dedans. Oh, Berserk, j'avoue. Berserk, ça doit pas être terrible non plus. Alors que j'ai lu le tome 1 de Berserk, j'ai adoré, mais l'ambiance, ouais, pour y vivre, peut-être pas. Hein. Paris. Warhammer, c'est pas très drôle. Ah, je connais pas assez Warhammer pour savoir. Ça me donne envie, du coup. Demon Slayer. Ah, c'est vrai que Demon Slayer, ouais. Ouais, à tout le monde, tu pars en escapade, tu reviens, toute ta famille est morte, quoi, c'est pas top. Satanée pierre de garde ne sert à rien. Il y a mieux aussi. C'est tout choupipou Berserk. Ouais. Alors j'ai lu que le tome 1, mais ça m'a suffi pour voir que c'était pas les bisounours. J'ai une ferme à faire tourner. Tout ce bazar. Clairement. Elles marcheront, Phelan. Mad Max. Fais-moi confiance. C'est une Dark Fantasy. Ouais, c'est ce que je disais. Tous les univers Dark Fantasy. Ah, souvent c'est. Bah, en même temps, Dark Fantasy, tu vois. Il y a Dark dans le nom. Ça vend pas du rêve. Il y en a qui sont pires que d'autres quand même. Moi, franchement, je sais pas, juste l'attaque des titans, ça me terrifie, les titans. Genre, vraiment, tu sais, des démons et tout, soit, c'est pas fun, mais des titans, ils sont... Genre, vous les trouvez pas oppressants de fou? Genre, même sans avoir regardé spécialement, on est d'accord que, vraiment, leur grosse gueule... Ah, je les trouve horribles. Je préfère qu'il y ait un démon qui vienne me buter plutôt qu'un titan avec sa gueule niaise, là, qui arrive, tu vois, son énorme tête à ta fenêtre. Ah, ça me... Je sais pas pourquoi. L'attaque des titans, je trouve ça particulièrement glauque. Je sais pas pourquoi. Vraiment, les titans, ils génèrent un truc en moi, là, qui m'oppresse. Peut-être parce qu'ils sont énormes et qu'en plus, ils ont l'air niais. Genre, y a rien qui va dans les titans. Pas fou pour y vivre, mais y a du flow. Ah oui, hein. C'est ça. C'est, franchement, les univers Dark Fantasy, je pense que c'est mes trucs préférés, hein. J'aime les trucs fantasy, mais particulièrement Dark Fantasy, genre. Mais ouais, pas pour dire. Ah bah tiens, on a une quête à lui rendre, plus la nouvelle quête. Ok, Cory m'envoie. Ah, c'est son père. Vous avez parlé à Cory? Si, on est d'accord.
J'arrive pas à croire qu'il se rappelle avoir une famille. J'ai dû Il s'inquiète pour toi. À la maison il y a des mois. Il refusait de travailler. Mais il s'inquiétait pour toi. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas eu de ses nouvelles. Il est bien mieux à Kerrigar. Et ça nous va aussi. Ah, le bâtard. Son fils, il m'envoie lui demander des news et il est en mode « Ah, il se rappelle qu'il a une famille, ce petit con. » C'est parce qu'il nous mange, surtout. Bah ouais. J'avoue que je préfère me faire schlack par un démon net plutôt que me faire manger par un titan, quoi. Tu te fais vraiment manger. C'est tout de suite plus bizarre. Alors qu'un démon, ouais, c'est plus... Je sais pas, ça me paraît plus clean, quoi. Nous ont encore attaqué. Voilà ce qui est arrivé. Ah, les hommes boucs. Excusez-moi cet accès de colère étrangère. C'est la cinquième attaque, cette lune. Je ne sais pas si nous tiendrons encore longtemps. Félan, t'es un peu aigri, mon pote. A apporté des pierres gardiennes pour soi-disant repousser les hommes boucs. Si vous n'avez pas peur de vous salir les mains, un peu d'aide ne serait pas de refus. Je vous paierai, bien sûr, mais des cannibales. Bah, on est vraiment des petits encas pour les titans, quoi. Pullule dans les environs. Pas d'inquiétude, je m'en charge. Se faire savourer, no. Découpé par mon millilitre, bah oui, bah évidemment. Évidemment. Et on mange un bras, une... Mais ouais, c'est... Ça paraît plus... Ouais, c'est grave plus glauque. Pierre gardienne druidique. Ah, il faut qu'on en place 3 là-bas. Ok. Et là-bas, il y a quoi? Parler à Edan. Aider Edan à faire taire l'étrange voix. Oh, faut qu'on voit ça aussi. Ok, bon, en vrai, là, c'est pas moi qui papillonne. C'est regardez, on est parti de là, faut qu'on aille là-bas. Et sur le chemin, il y a des quêtes secondaires. C'est pas ma faute, ok? On les fait au fur et à mesure tranquillou. C'est pas moi qui papillonne, là, c'est le jeu. Il me pousse à papillonner. Je sais pas pourquoi je me justifie. Mais il y a plein de fantômes. Ah, mais oui, c'est pour ça qu'il veut que je mette des pierres druidiques là. Les... Il y a des fantômes partout. Ouais. Vous pensez que Titan et Chebest existent? Oh, mon rêve. Philippe et Chebest en énorme. Là, c'est oui. Est-ce qu'on peut passer? Non. Ah, ça aurait été bien que les dashs puissent permettre de passer au travers des trucs. Enfin, ce serait peut-être un peu cheaté. Petit truc druidique, let's go. Mais oh, oh, une banshee. Stylé de fou. Oh là, mais attendez, il y a du monde là, on va se calmer déjà. Un peu le bordel là. Excusez-moi mon golem, j'ai eu peur. Hey, stop it. Il me faut plus de temps. Allez, ça dégage. Ça y a du monde ici. Ça fait rire en mode kebab. Moi je dis pas non. Pourquoi tu dis pas non? Se faire graille en mode... Mais c'est horrible! Comment ça tu dis pas non? En mode kebab. Comment ça? Bon, quelle est la petite pierre druidique là? Perso, tout ce qui est univers Uchronie... Uchronie. Ah oui, ok, je vois. Fallout, Bioshock, ça m'angoisse plus que les univers Dark Fantasy. Ouais, parce que c'est plus... Ça semble un peu plus réel, ouais. Attends, merde, je finis ton message après, j'ai pas envie de te trouver comme une merde non plus. Bien sûr, l'univers d'AOT est terrifiant, mais je sais pas, les univers Fallout me paraissent bien plus terrifiants. AOT, tu t'entraînes, tu joues ta vie, certes,
Mais tu l'évitais tout le temps. Mais oh, mais non. Mais je suis en train de lire un message. Vous me débrisez. Mais pourquoi j'arrive pas à... Voilà. Il me faut plus de temps. Ah, juste les élites, ça les ramène pas au centre. J'ai l'impression. Bon, est-ce que je peux enfin finir mon message, là? Putain. tu t'entraînes, tu joues ta vie, certes, mais tu peux buter le titan dans les univers type Fallout, il y a moins de côtés. Je peux trouver un moyen d'éradiquer le mal. Ah ouais, tu veux dire le sentiment d'impuissance face aux trucs qui peuvent te tuer, ça te... Ça te tend plus, quoi. Et si c'est maman Lilith qui te mange? Évidemment, là, on négocie. La meilleure mort reste de se faire charmer par Lilith et sacrifier pour elle. C'est pas moi qui vais nier, hein. On sera bientôt dans l'univers de Fallout 1, donc bon, pourquoi y'a quoi dans Fallout 1? J'y ai pas joué, désolé. Il se passe quoi de spécial dedans? C'est des trucs... Mais Fallout, c'est des trucs nucléaires, non? C'est pas une apocalypse nucléaire, un peu, Fallout? Ou alors je confonds, j'en sais rien. Hop. C'est fait, monsieur. Vous serez tranquille, j'ai placé les pierres gardiennes. Voyons si la magie d'Artaïr fonctionne. Moi, je connais un moyen plus direct que même les hommes boucs peuvent piger. Ces maudites créatures se sont installées dans la fosse, tout au sud des basses collines. C'est une brute hideuse et énorme, du nom de Corne Noire, qui les dirige. Si je pouvais planter la tête de cette saloperie sur une pique, je pense qu'il comprendrait le message. Fallout 1, la quête principale est liée au fait de trouver de l'eau pour un abri. Juste ça? C'est vrai que c'est... C'est... Ouais, je comprends que... qu'on puisse trouver ça encore plus oppressant, ouais. Clairement, c'est... pas très réjouissant. Et c'est vrai qu'au moins dans les trucs dark fantasy et tout, il y a quand même un côté fantasy où... où soit t'as des armes stylées, soit t'as de la magie, soit t'as des trucs et tout. Donc ouais, comme dit Nuna, t'as plus de moyens quand même de survivre un peu. Alors qu'est-ce dans un univers où c'est hyper oppressant et en plus t'es grave impuissant. C'est terrible. Faut plus de temps. Putain, mais il y en a encore 10 000 qui arrivent. Wow. Est-ce qu'on pourrait se calmer ici? Il y en a 1 000 000 qui arrive. On est parti, non? Mais c'est infini? Endroit du démon. Ah, c'est bon. Eh ben, il y en avait du monde. Mais il respawn. Mais attendez, il respawn. Je crois qu'il respawn méga vite. On va se barrer. Et gros JLK, comment ça va? J'arrive à la fin? Bah non, là on chill. Bon, après, je vais commencer à avoir faim, mais. Mais là, ça chillait. On va en direction de. On allait lentement, vers, mais sûrement, vers les quêtes de l'acte 2, là. Tranquille. Fallout, t'as des armures assistées. Faut protéger quand même. Ah, hein, c'est mieux que rien. J'entends les loups. Toujours à me tourner autour, à me griffer et à me mordre. Je me chiller aussi, let's go. Ils veulent que je les rejoigne. Je suis encore moi-même, pour l'instant. Et possédé, vous devez m'aider à le rester.
Un groupe de chevaliers de la cathédrale est passé par ici pour combattre le mal qui se terre dans l'antre de Sarat. L'un d'eux portait une amulette qui faisait taire les loups. On n'a jamais revu les chevaliers, mais vous pourriez peut-être me rapporter l'amulette. On va lui demander quand même. Qui t'entend taper ? Je ne les vois pas, mais j'entends leur hurlement. Celles et ceux qui les suivent disparaissent dans les bois. Ok, et attendez, là-bas, il y a quoi ? Tuer les Khazra pour attirer Corne Noire. Mais j'ai un peu peur. J'ai l'impression qu'il y a une dinguerie. Ah ! Quoi ça ? Horreur arachnide. What the fuck ? Ça se scinde en petit ou je rêve ? Ah mais elle m'empoisonne en plus des bourreaux. Quel enfer. Ah non, c'est un... Tuez Corne Noire et prenez sa tête. Ah mais c'est pas là, là. Bah, c'est ça que j'ai sélectionné. Entrez dans l'antre et récupérez amulette bénie. Ok, j'espère que c'est pas méga grand. C'est une antre... Il y avait plein d'araignées, ça va être une antre d'araignée. Mon golem, il peut pas emprunter la porte. Chaque fois, il repart sous terre et il ressort. Ça me termine. Il respawn à chaque fois. Oh ! Je m'attendais pas à ça. J'étais en mode, pourquoi tu cries ? Qu'est-ce qu'il y a, mec ? Ouais. Ça a pas dû être agréable, ça. Grimoire des démons. Mais y'a que dalle pour l'instant. Y'a que des petites araignées de merdouille. J'ai peur qu'il y ait une dinguerie d'un coup. Il me faut plus de temps. De temps. Mais pourquoi à chaque fois ça fait comme si je le faisais deux fois? Je le fais pas deux fois, laissez-moi tranquille. Il me faut plus de temps. Ok, donc j'ai détruit une et il en faut trois. Ça fait un peu comme le gars dans The Mist. The Mist. Je trouve quand même que les clics gauche sont plutôt faibles en nécro. Bah ouais. Ah, je voulais voir si c'était bien un piège, mais du coup oui. Ouais, bah le truc c'est que j'ai l'impression que le clic gauche, ouais, ce que tu peux spammer, il fait zéro dégâts. Et le clic droit, il fait des big dégâts, mais le coup en mana est insane. Du coup, ouais, t'es... Ça se voit qu'il a été bien nerf, quoi, de toute façon. Coucou Date Blonde, comment ça va? Faut pas tuer les petites araignées, ça te passe des moustiques. Ah, IRL, jamais je l'ai tué, hein. Évidemment. Mais ouais, non, le clic gauche, c'est mono-cible et ça fait zéro dégâts. Donc t'es un peu en mode ouais. Le clic gauche il fait un peu pitié, c'est réel. Perso mon build je joue sans clic gauche. Bah moi ouais je le spam juste quand j'ai aucun autre sort, que tout est en CD ou qu'il me refaut de l'essence quoi.
Ou pour les petites merdouilles comme ça vite fait, mais ouais. Sinon ça fait un peu la merde. Hein. Elle est où? Ah, elle est où? Je sais pas où on va, c'est grand cette grotte. Il y en a deux à choper, mais j'ai aucune idée de. Ah! Bah, en parlant. Cadavre de chevalier de la pénitence? Ah, bah, l'amulette! Bah, let's go, j'ai trouvé mon objectif. Mais du coup, je vais peut-être finir le donjon quand même, non? J'aime trop. Je ne suis pas encore prête. Il est trop stylé. Ça, je veux ça tout le temps, genre. Dommage que ça dure pas longtemps. Je me suis inspirée de ton build sur D3 pour monter vraiment. Ah ouais. Let's go. Plus d'essence. Il me faut plus de temps. Non mais le poison là. Je ne peux rien porter de plus. Ah, j'ai déjà plus de place. Ah, le poison, il m'a cassé le cul. L'enfer. Bon, c'est trop grand cet endroit, par contre. C'est ce que j'ai dit à mes potes, faut que je trouve un bug pour rester en perma comme ça. Je te jure. Nous étions venus pour purger ce mal. Mais maintenant... Événement ? Je ne peux pas laisser mes amis ici. Putain, mais attendez, c'est trop grand, il y a 10 000 trucs ici. Il y a des événements dans la grotte, ça va aussi. Oh putain, il me reste pas. Je suis à court d'essence. De temps. Eh ben, on voit plus rien. Il me faut plus d'essence. Je vois rien. Il y a trop de trucs à l'écran. Il y a trop de trucs, mais ils sont tous dead par contre, les autres ploucs. Je ne peux rien porter de plus. Je crois qu'ils sont dead. Je les vois même pas dans tous ces tas de cadavres, de toute façon. Ça me termine. Mais en même temps, les trucs de la magie de sang, genre, c'est trop chaotique. Genre, avouez, c'est pas ma faute. C'est méga chaotique. Après, j'avoue que j'aime bien. Le bordel. Je ne peux rien porter de plus. Oh, les oboles. Pas trop brouillon. En même temps, tu veux que je fasse quoi? Genre, j'y peux rien. Il y a tout. Il y a trop de trucs affichés à l'écran. Mais du coup, ils sont dead. Ça a marché quand même l'événement. Moi, j'ai eu un coffre, donc je suppose que ouais.
Je sais pas si on est censé pouvoir les garder en vie. Franchement, j'ai essayé de... Après, j'ai peut-être pas assez de dégâts pour spawn kill assez rapidement les mobs. Mais bon. Ah, ça fait un petit rond par là. On va aller vers les endroits où on n'est pas allé parce qu'on a encore les deux trucs de flèche de soie à trouver. Autant de trucs avec écrit fortification, faut le poser. Je sais pas pourquoi ça en écrit autant. Il me faut plus d'essence. Genre avant il y avait pas. Ça mettait pas autant de fortifications, non? Non, je sais pas pourquoi ça m'en met autant. Je peux rien porter de plus. Oui, oui, le drop, let's go. Regardez! C'est un bug ou quoi? Ou c'est à cause des dégâts de poison? C'est peut-être le dégât de poison de toutes les araignées qui se stackent et ça fait un truc bizarre, non? Je sais pas. Ah, let's go. Mon coup de gauche, il fait vraiment du cul, hein. Je ne suis pas encore prête. Allez, oust. Oh, mes petits squelettes, ils ont tous rush dessus. Plus. Oh, codex. Pas comme quoi il faut acheter. Ok, donc plus qu'un truc à détruire. Ça peut être que... Ouais, par là, sûrement. Ah, grimoire des démons. Les sacs sont trop pleins. Ah. Mon sac est fait. Ah non, c'est juste ça. Je crois que c'est autre chose. Nul. Il y a un chemin par là ou il y a un chemin? Ah, je crois que c'était le chemin. Pas du tout. Il y en a 10 000 qui arrivent du ciel. Il me faut plus de temps. Je n'ai plus beaucoup d'essence. T'es même pas là? Il y avait rien ici. Mes sacs sont trop pleins. Mais stop! Eh vraiment, le fortification qui est écrit x 10 000, ça me tend du cul, hein. Pas vous, mais on dirait c'est bugué, genre ça sert à rien de l'écrire autant de fois. Ah, c'est ici, let's go. Il me faut plus de temps. Matriarche. Gueule de frisson, stylé. On dirait un peu les noms que Blizzard ils te mettent automatiquement quand tu choisis pas. Enfin, après, moi je me suis tapé Troll Fétide. Gueule de frisson, c'est un peu plus stylé. Ah, allez, au repère de la reine. C'est où? Ah, ça doit être là-bas peut-être. J'avoue, je veux le finir à 100% tant qu'on est ici. Quitte à ce que ce soit long et chiant, autant le faire à 100%. Oh, un serpent! Pardon, je voulais voir s'il allait mourir. La réponse est oui, du coup. Faut vraiment que je vide mes poches là.
Mon fardeau est trop grand. Mais c'est où le repère de la reine? Je comprends pas. Laissez-moi tranquille. C'est chiant que dans les donjons tu peux pas du tout mettre pause, ouais. Parce que là je suis allée partout. C'est à l'entrée? Non, ça n'a pas de sens. Je comprends pas la team. Au centre? Coucou Max, comment ça va? C'est où le repère de la reine, vous savez ou pas? Vraie question. Parce que moi je veux bien, je dirais au centre. Ah, j'ai trouvé. Ok, donc du coup, pour répondre à la question que je me posais... Mais merde, j'arrête pas d'aller dedans! Mais c'est terrible. Elle est où? Ah, la connasse. Mais elle est trop chiante! Mais je suis pas dedans! Je suis une femme. Ah, faut rester là-dedans peut-être. Quand il y a des bulles lumineuses, souvent c'est bien d'être dedans. Le truc c'est qu'elle court partout, j'arrive pas à la taper. Il me faut plus de temps. Elle est méga chiante. Invoque trop, j'arrive même pas à taper que ce soit d'autre. C'est un peu le pire boss du jeu là. Vraie question, est-ce que c'est le pire boss du jeu cette merde? Parce que j'ai bien l'impression que oui. Hein. De temps. On va y arriver, hein, mais mais c'est sacrément chiant. Mais genre... Elle se déplace trop vite, c'est ça le truc. J'ai besoin de plus de temps. Et les AOE Kame, enfin... Maison sur toute la map, hein, ça ira plus vite, hein. Franchement, en fait, que le sol est une AOE, the floor is sure d'araignée, là. Il me faut plus de temps. Ouah, mais quoi? Voilà. Je ne suis pas encore prêt. Elle est où là? Je la vois même pas, tu sais. Elle est même pas sur mon écran, la blouse. Mais viens là, serait-ce enfin? Il me faut plus de temps. Allez, on va finir. En plus, elle était même pas genre dure, elle était chiante. Enfin, quoique un peu dure, si tu fais slow à l'infini et tout, c'est quand même un peu un enfer. Mais au secours, vraiment. Au secours. C'était ignoble. C'était ignoble. Coucou Godsoma, comment ça va? Il a pas moyen de prendre l'aggro ton golem. Il prend vachement l'aggro déjà. Mais non, il y a pas... Enfin, il y a pas... Je sais pas s'il y a des compétences pour qu'il le prenne davantage, mais... Mais non, il le prend déjà pas mal l'aggro en vrai.
Là, c'est juste que bon, l'araignée, elle crachait partout dans tous les cas. Et coucou Chou Boréal, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Enfin, à part que cette araignée était un peu chiante. Mais au moins, c'est fait. Ah, attendez. Résistance au feu. Maximum de vie, augmenté, nanana. Oh, on peut mettre un petit truc. Il faudra que je vois dans mon coffre si j'en ai des mieux. Parce qu'en vrai, j'ai plein de trucs normalement. Bon, là, on a fini normalement. Retourner auprès de machin. Ouais, c'est bon. Cette fois, on l'a fait en entier. Mais voilà, le donjon, on peut sortir comme ça en cliquant. Pourquoi tout à l'heure, j'y arrivais grave pas? En même temps, c'était pas un donjon. C'est peut-être pas vraiment un donjon. Merde. Quand on est auprès des dames. Hop, on va lui filer son amulette. De base, c'était juste l'amulette qu'il fallait qu'on lui file et on l'avait depuis le début, mais je sais pas pourquoi j'ai voulu fricoter avec l'araignée là. C'est cru, hein. Eh, les barricades, ça les protège vraiment. J'avais pas remarqué que si tu mets un sort. Enfin, je sais pas si c'est que ça a bugué ou quoi, mais. Oh! Derrière la barricade, ils ont rien pris. Trop stylé. Il me faut plus d'essence. Je ne suis pas encore prêt. Au fait. C'était quoi mon au fait? J'ai même pas le temps de dire. Hop. J'ai trouvé cette amulette. Oh non, lâchez-moi. Putain, mais y'a. Ça fait déjà effet. Ah. Les voix s'estompent. Merci pour votre aide, étrangère. Je ne sais pas combien de temps j'aurais pu tenir sans ça. Nos soucis, monsieur. Comment ça se fait qu'elles sont mortes? Ah, il y a un mec à côté, peut-être qu'il les a tuées. Une petite bouette. Mon fardeau est trop donne la bouette. Là. Bon, du coup... Du coup, je commence à avoir un peu faim en vrai, hein. Il est bientôt 15h, là. Moi aussi, je me suis fait un écrou ancien, ça donne quoi cette phase? C'est trop bien. Après, il s'est fait beaucoup nerf. Donc les gens qui disent que c'est la classe full broken te mentent. C'est clairement pas broken. En vrai, ça s'est fait vraiment... ça s'est fait vraiment nerf et je pense pas que ce soit vraiment fort. Mais en tout cas, enfin dans tous les cas, tout est jouable et tout est trop cool. Mais c'est... Franchement, c'est trop marrant. Je trouve que c'est plus... C'est plus varié les possibilités de build et tout. Je sais pas, là, de pouvoir faire trucs de sang, d'os, de machin, tout ça. Il y a plein de trucs, je sais pas. T'as envie de tester un peu tout. On dirait qu'il y a plein de possibilités. Après, si tu veux vraiment être méga opti, bon, c'est chiant. Mais si tu t'en fous un peu, il y a plein de possibilités marrantes de trucs. Je trouve ça cool. C'est vachement coolos. Voir endgame. Non mais après oui c'est ça, c'est pour ça que je parle pas d'endgame. Si vraiment tu veux vraiment tryhard très fort et vraiment aller fort en endgame et que tu cherches vraiment l'optimisation à tout prix, c'est sûr que oui tu peux pas jouer tout et n'importe quoi mais là pour découvrir tranquille et tout, il y a plein de possibilités, c'est cool quoi. Pour moi je teste qu'un build et il est plutôt broken mais contraignant pour les autres. Pour les autres comment ça? J'essaie d'avoir un build sans invoque. Ouais bah regarde, moi j'ai que mon gros golem. Les petites invoques, je les ai enlevées. Et si tu les retires, t'as un passif. Mais après, bon... Je trouve ça dommage parce que les invoques, c'est quand même... je sais pas, un nécromancien qui invoque rien, c'est un peu sad. Mais ouais, tu peux les enlever. Moi, j'ai gardé que le golem parce que je l'aime bien. Et de toute façon, les autres petites invoques, je trouve qu'elles étaient vraiment un peu fébriles. Si tu t'orientes pas vraiment pour les renforcer et tout, je trouve qu'elles sont un peu fébriles. Et contre les boss, elles peuvent vite se faire OS comme de la merde. Je crée des flaques noires stackables à l'infini. Mais tu vois plus rien à l'écran. Ah merde! Comment ça des flaques noires, c'est quoi? J'ai envie d'éternuer. Car pour une raison que j'ignore, ça se superpose sur tout. Ce serait pas un bug d'affichage, je sais pas. Ou Seigneur Bloody, merci pour le follow, bienvenue. L'explo morbide en mode ténèbres. Oh. De toute façon, il faudra clairement que je regarde... Les builds et tout là, je veux voir parce que là en plus j'ai des... Ouais j'ai deux points encore. Et franchement il y a un de ces quatre où faudra que je rembourse tout et que je re-reroll tout bien. Clairement. Ça c'est bien de pouvoir reroll comme tu veux en vrai. C'est à l'infini que tu peux rembourser tout?
trouve ça vraiment cool. Du coup, mes potes rage, ils jouent à l'aveugle. J'avoue, c'est un enfer. Tu ruines, tu ruines le visu des autres, on voit plus rien. Mais si c'est broken et que tu t'amuses, écoute. C'est déjà ça. Mais ouais, je pense qu'on va... je vais peut-être aller... aller graille, moi. L'infini de tes pièces. Hein ? Ma thune ? Je suis riche. J'ai pas dépensé d'argent en même temps depuis le début. Ça coûte juste des gold. Attends, je prends rapidement après. Ah, ça coûte de la thune pour rembourser. Ah, oui, bah ça va. J'ai...